Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors ce soir on va faire de la peinture. Et nous allons faire une peinture pour la carrosserie rétro. Alors je ne sais pas exactement quel modèle c'est de voiture, mais ça ressemble à une vieille Ford des années 50. C'est pour monsieur GB. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, salut Stéphane, salut Christophe, salut Pascal. Un autre Stéphane Roséo, Stéphane 276, salut Rémi, Daniel, encore un Sébastien, salut Benz, salut Flupfil. Et Bruno, bonsoir à tous. Salut David aussi. Oh là. Hop. Alors voici la forme de la carrosserie de ce soir. Alors la demande est très inhabituelle et pas évidente. Puisqu'il va falloir que je fasse des arabesques comme ceci, donc sur tout le tour de la carreau, et avec une difficulté, c'est qu'on me demande de dessiner une guitare sur l'arrière. Voilà, voilà. J'ai oublié de me mettre sur le Discord aussi. Oh, et il y a déjà du monde. Le Discord. Bonsoir monsieur Tony. Bonsoir monsieur Tamiya, ça va? Ça va et toi? Salut. Bonsoir à tous. Salut David. Bonsoir Tony, bonsoir au chat. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir le chat, Stéphane 276. Salut tout le monde, Rémi 1059. Rémi a été Rémi quand même. Et les gars, si vous manquez un peu d'alcool pour faire un cocktail, j'ai ce qu'il vous faut. Alcool isopropylique, 99,7% d'alcool. Attendez un peu, moi demain j'ai les glacés. Salut Daniel, salut Fluc, Phil. Et salut Rémi. Salut Daniel, salut Phil. Et l'alcool isoprop, il va pas abîmer le Lexan? Non. Enfin, j'ai jamais essayé, mais non. Et on peut en mettre sur ses doigts ou on est bourré aussitôt? Non. Bah, ça... hey, salut Manu. Sauf si tu suces ton doigt. Salut Manu, moi, salut KTO. Alors ça, je sais pas. J'utilise l'alcool pour nettoyer de la peinture sur la peau parce que ça s'évapore très vite en fait. D'accord. Bon, faut pas le faire, hein, mais... En fait, tu te fais arrêter par la police, ils disent vous avez bu un coup? Ah non, non, je me suis juste essuyé les doigts. Non, c'est vrai que c'est très léger. Comparé à du diluant, le diluant c'est plus lourd et ça rentre facilement dans la peau. Ouais. Ah ouais, je me choute. Salut Nonours. Salut Nonours. Salut KTO Prod. Un petit coucou aux deux avril là qui sont sur le chat. Et bonsoir à Manu. Alors, Fluque. Salut Manu, Daniel, qui a reçu son petit colis. Il a reçu quoi, Daniel? Bon, des gratte-gratte, comme il dit. Ah. Oh, ça bonsoir, Seb. Salut, Seb. Bonsoir, monsieur Faussaire. Salut, ouais, il faut lui dire Seb. Salut, Accro. Salut Accro. Alors ce soir on fait un malheureux, j'imagine, monsieur Tamiya. Oh, malheureux, je sais pas. Pourquoi? Écoute, non, pas malheureux. Je suis sûr, il s'est dit, ah, il y a le live. Ah merde, c'est pas ma voiture. On se posait tous la question de ce que tu en avais fait, c'est pour ça que je rigole. Tu te posais la question de ce qu'il en avait fait. Bon, allez, c'est vrai, je me pose. Bah, je me mets à ta place. Hein. Mais non, en fait, je voulais la faire, pas ce soir, hier, la caro de Monsieur GB, et en fait il m'a demandé de décaler plutôt à ce soir. Et hier, de toute manière, bah, vous avez vu, j'ai pas fait de live, j'étais pas en forme, mais ce soir j'ai cru que j'allais pas en faire parce que j'étais pas en forme non plus. Voilà. Alors, c'est pas trop grave, j'espère. Ah non, c'est de la fatigue, c'est tout. De la fatigue et des problèmes dans le boulot. Voilà. Ah bon, écoute, désolé. Des problèmes qui génèrent du stress qui est stressant, tu vois. D'accord, non, mais écoute, on peut pas. Pas tomber, on ne peut pas t'embêter avec ça. Oppressant. Ouais, ce qui fait que en fait ça te génère de la fatigue bizarre. Ouais. Salut Christophe Le Gros, alors comme ça on a reçu sa belle carrosserie. Ouais, puis tu nous as montré des photos d'un nouveau rayon de soleil que tu as reçu chez toi là. Ah oui, oui, oui. Mon Ramsès. Ramsès, il s'appelle. Ou elle, non, il. C'est il, on n'a pas le droit de choisir les prénoms, ça nous est imposé. Oui, bien, je pense, avec le pédigré, je pense. Ça nous est imposé parce que c'est pas, bah, c'est des chiens qui sont, au final, je vais le garder 1 an et demi, mais après, bah, je dois le rendre, quoi. Ouais, ça, c'est dur, quand même. Ouais, mais c'est sympa, c'est une belle action. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est dur, tu t'attaches, quand même. Ah, bah oui. Ah, hein. Bien sûr. Ah bah oui, mais bon, tu sais que tu le fais pour ça, donc bon. Ouais, mais j'ai demandé, le pire c'est pour mon fils, quoi. Je lui ai demandé, parce que le précédent chien, on l'a re-eu, bah, je vous l'avais montré, on l'a re-eu 15 jours l'autre fois, en janvier, et, alors qu'on l'avait rendu en début octobre. Et je lui ai dit, ça va, il était super content de la revoir, mais en gros, il me dit, bah non, ça va, ça n'a pas été trop dur dans ma tête. Parce que il dit je sais pas pourquoi. Bah, je dis bah je le sais pourquoi. Parce qu'on t'a préparé depuis le début à te dire que c'était pas ton chien, c'est tout. Bah ouais. Et du coup, vous savez à qui va être attribué ce chien, ou vous les élevez comme tous les autres et après ils sont attribués au hasard? Ouais, dès le début, ils sont attribués au hasard. Et ouais. Enfin, c'est pas vraiment du hasard, c'est une fois qu'ils ont leur. Qu'ils sont. Donc, d'abord, la première étape, c'est grandir. Grandir dans une famille d'accueil. Donc, là, nous, c'est notre cas. On est famille d'accueil. Mmh. Et une fois qu'ils sont en âge de rentrer ce qu'on appelle en éducation, donc vers entre 1 an et maximum 1 an et demi, et ben là. Une fois qu'ils sont en âge là, ben ils rentrent à l'école, donc l'école des chiens guides d'aveugles, il y en a plusieurs en France. Nous, on en a une ici près de chez nous. Et donc là, il va rentrer et là, il en a pour plusieurs mois d'apprentissage pour apprendre son métier de chien guide. Donc, nous, on doit lui donner une pré-éducation. C'est un truc assez basique, hein, mais bon, même si c'est basique, la plupart des gens, ils disent « Oh là là, c'est exceptionnel !» Ouais. Mais malgré tout, ça reste basique. Ensuite, quand il va rentrer en éducation avec un éducateur pour les chiens guides spécialisé, donc là il en a pour minimum 6 mois, sinon en moyenne c'est 8 mois, ça peut durer jusqu'à 1 an si le chien il n'est pas fut-fut à la base. Voilà. Mais toi tu dois rendre des comptes sur l'éducation que tu donnes aux chiens? Non, mais par contre il y a un léger suivi. Ouais. Et donc de temps en temps, ça peut être une fois par mois, des fois ça pourrait être 2 fois par mois, mais bon, comme moi, ça commence, c'est pas mon premier chien, donc ils me font de plus en plus confiance. Au tout début, si c'est la première fois que tu es famille d'accueil, tu as un suivi qui va être beaucoup plus fort au début. Voilà. Ouais. Et donc non, mais après, au début, la première fois que tu es famille d'accueil, tu t'échanges beaucoup, tu as un éducateur attitré pour toi, à qui ouais. tu peux poser tes questions et éventuellement. Donc en général, lui il te fixe, tu dois faire une balade avec lui par mois, 1 à 2 balades. Donc le but c'est d'entraîner le chien sur des exercices qui peuvent lui faire peur par la suite, mais que l'aveugle aura besoin de faire. Par exemple, prendre le métro, prendre des escalators. Voilà. Ouais. Donc ça on le fait ensemble et puis. Pendant ces balades-là, c'est le moment où tu exprimes toutes tes difficultés à la maison avec le chien. Ouais. Bon, excusez-nous, ça parle pas RC là. Ouais, mais c'est vrai que nous, on a vu la photo, ben, on était au courant, quoi. Si, si, RC, race de chien. Bruno, est-ce que le chien est entraîné pour remettre des voitures RC sur leurs roues? Tu pourrais l'entraîner à ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où le chien il a compris qu'il avait une récompense derrière, tu peux lui faire faire ce que tu veux. Ah bah c'est comme moi. Voilà. Quand tu retournes des voitures, on te donne des croquettes, Tamiya. C'est pour les récompenses. À chaque fois qu'il fait un truc bien, Tamiya, on lui donne un chips. Bah ouais. C'est le but. C'est plutôt de la pizza, Tamiya. Alors, Bumblebee pose une question. Vas-tu repeindre le chien? Toi, Bumblebee. Ah. Salut à tous, c'est Julien. Salut Julien, tu vas bien? Salut Julien. Salut Julien. Comment vas-tu? Oh, ça va, au week-end. Ah. Ah bah oui. Un week-end avec des moments un petit peu en vrac, mais bon, ça va. Un petit peu quoi? En vrac. En vrac? Ça veut dire quoi en vrac? Et pourquoi? J'ai le quartier qui commence à faire du yo-yo. Ah. Bon, pas compris. J'ai le quartier qui commence à me titiller les mains. Un âne? C'est ce que j'ai compris. Le canal. Le canal carpien. Non, le canal carpien. Ah ouais, j'avais pas compris. Canal carpien. Ah oui, c'est pas... Ah ouais. Moi, j'ai compris le canard. T'en fais bien un canard. Ouais, Bumblebee comprend rien. Ouais, c'est ça, ouais. Il commence mal ce soir. C'est ça, les franco-belges suisses, ils comprennent pas. Alors, salut Lolotte. Je crois que je vais gagner avec tout ce truc là. Il m'a coupé. C'est calme. Oui, j'allais dire, c'est bien calme ce soir. Ouais. Non mais il a l'air tout concentré, il ne faut pas que je fasse une bêtise. C'est dommage, j'aurais pu vous faire une vidéo avec du bruit, mais j'ai bien tourné la vidéo, mais il n'y a pas de bruit. Avec ta thermique. Ah, Firmat, j'ai pas de son, je suis deg. Elle a démarré cette fois alors, c'est la nouvelle. Ah, j'ai tourné avec, j'ai vidé deux pleins. Ah, ça y est, elle marche enfin. Là, il y en a une qui marche sur les deux pour l'instant. Mais j'ai pas essayé la deuxième. Déjà, tu fais une collection de gunners, toi. Ouais. Et t'en as une quand t'es en train de convertir en GT8? Ouais. Hein? Convertir une en GT8, ouais, c'est juste. En fait, du coup, ça en fait pratiquement 5 parce qu'avec les pièces détachées que j'ai récupérées, je peux en monter une cinquième. Ah ouais, c'est cool. Tony? Oui. Je dois faire deux trous dans ma carreau, mais j'ai pas le. J'ai pas l'outil adéquat. Qu'est-ce que je peux prendre pour faire le trou sans la casser? Ah, je connais une bonne vidéo de RC Patapouf. Tu prends une perceuse. Une cigarette? Non, pas de perceuse. Moi, je l'ai fait au fer à souder, ça fait nickel. La cigarette, si tu veux. Je fume pas. Tiens, mais Bumblebee, t'achètes des châssis qui coûtent les yeux de la tête, puis tu peux pas avoir un malaise. Non, mais je l'ai pas sous la main. Moi, je le fais au fer à souder, mais il faut que ça soit pas une panne, il faut que ça soit une pointe. Oui, bah oui. C'est un peu dommage quand même, Seb. Eh, monsieur RC Passion de la Suisse, salut les gars. Salut RC Passion Suisse. Une mèche à bois, ça passe, Denis? Il a dû changer son pseudo, le pauvre. Une quoi? Une mèche à bois. Ah, ouais, mèche à bois, ouais, super. Mèche à bois, super. Et fais un test dans un bout d'une chute de Lexan quand même, avant. Tamiya, tu peux m'enlever ta carreau, je vais tester sur la tienne, et puis je te dirai. Mais à mon avis, mieux vaut une mèche à bois qu'un forêt. Ouais, parce que la mèche à bois, c'est la forme, mais je pense que si, ouais, je testerai dans un coin. Ouais, parce que moi, j'ai acheté des... Pas des mèches à bois, mais des tourillons. Et l'autre jour, j'ai coupé du Lexan avec les tourillons pour que ça fasse des gros ronds bien propres et ça marche nickel. Mais les gars, vous pouvez pas le truc avec plusieurs tailles. Ah oui, c'est ce que Patapouf utilise, un forêt multidiamètre. Moi, c'est un alésoir, mais... Moi, c'est un alésoir, mais pour perceuse. Vous n'avez pas un alésoir? Ah ouais, mais c'est un forêt. C'est un programme à forêt, alors. C'est un forêt conique que tu as. Ouais, ouais, voilà. Le tout, c'est de faire un test avant. Le problème, si tu prends un forêt classique, ça peut te faire un trou ovale. Ah non, non, le forêt classique, il taille pas assez pour entrer dans le plastique. Non, mais en fait, le problème des forêts... Un forêt à étage. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un pré-trou avec un petit forêt. Et après, ben, je perce avec le truc conique, là. Ah, mais la bêche à bois, c'est une pointe au milieu, donc ça fait nickel. Et deux petits ergots de chaque côté, ça fait nickel. Ah ouais, ça coupe, ça taille bien en plus. Ah, c'est sûr qu'il faut pas prendre une mèche à béton, moi, je n'irai pas. Hein. Puis un burin, pareil. Je ne pas du tout, même. Ouais, alors, Rémi, tu vas nous faire un tuto carreau, alors. Un alésoir, tu te commandes un alésoir, t'es toujours en train de remplir des paniers, Bumblebee. Laisse mes paniers tranquilles, toi. Et David, ce que tu m'as montré, alors c'est ok ou bien t'as pris? Non. Comment ça, non? Non, t'es malade, 401 €, quoi. Ouais, mais tu négocies, je t'ai dit, il manque un rétroviseur. Même si tu négocies, tu n'as pas négocié à 300. Hein. Bon. C'est peut-être pas un connaisseur. Ah non, mais c'est bon, moi j'en ai une, je suis content. Hein. Ouais, mais elle est pas mal, hein. Mais je savais pas qu'il y avait cette carreau pour la des nanos aussi. Ah si. Là, je savais pas, moi. Mm. Ce qui me troublait, c'était les jantes. Hein. Parce que moi, j'ai pas les jantes. Il y a une Denano avant Tony sur le Bon Coin. Ouais. Avec la carrosserie Tamiya, la 787B, là. Ouais. La rouge et verte, c'est introuvable. Et tu veux que tu l'achètes? Non, non, non. 400 €. Salut GB. Salut GB. Salut GB. Mais elle est bien complète, en tout cas, d'après le descriptif. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y avait même ton petit tournevis. Ouais. Je dis, c'est marrant parce que moi j'ai des petits tournevis, ils vont dessus, t'as peut-être pas assez petit. Ouais, j'en ai pas mal de modèles pourtant. Mais... Salut le jeune Mathieu. C'est pas le jeune Mathieu qui cherchait un cerveau là? Si. Bah, pour la question. L'autre jour, il y a 15 jours, il en cherchait un. Ouais. Ouais, qui regarde dans le Discord. Pour la couronne. Dimanche, je vais... Du moins, si le temps me le permet. Non, dimanche, il neige. Bah non, oui, il neige pas, arrête. Bah, si neige d'acheteur, je sais pas aussi. Et puis je vais aller rouler au Terry avec un jeune débutant et je vais lui apprendre faire de la voiture RC en modélisme. Ah, il fait comme Tony, il est famille d'accueil Rémi pour les débutants RC. Bah, son grand frère il fait du modélisme mais il ne faut pas beaucoup donc ouais. Bah, il peut pas en faire avec. Et puis en même temps son frère il travaille donc voilà. Et ah, punaise. T'as trop parlé hier soir, et puis mon père en fait il a rencontré une amie que ça fait un bon bout de temps qu'ils se sont pas vus, ça fait quelques années et ils se sont discutés et puis hein. Excuse-moi, il y a juste GB qui voudrait venir sur le Discord. Il y a quelqu'un qui peut mettre le lien puis Tony après lui donner les droits. Le lien il est en description de la vidéo. Voilà, sous la description de la vidéo, GB. Et après, tu cliques, tu vas dans le salon. Maintenant, ça a changé les salons, hein, Tony, GB. Dans le général. Ouais. En général, textuel. Et puis après, Tony doit donner les droits pour venir nous parler, GB. C'est pas le général textuel. Non, c'est un... Rémi dit des salon vocaux. Ouais, c'est le général textuel, il a raison, de Rémi. Ah bon? Ah oui, et après c'est le salon, après le salon Genève, enfin le salon vocal. Ouais. Daniel, le fait qu'il soit transparent, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que il soit, ça part en vrille, c'est des tout petits décors, c'est des tout petits trucs et plus c'est des petits détails, plus c'est la merde. Je vais galérer. Enfin, vous avez déjà vu que je galère déjà. Ouais. Ouais, donc c'est pas le salon textuel, c'est bien le salon vocaux. Ouais. Ah ouais. Donc là, ben... Et pour le jeune, là, en plus il a 11 ans, donc bon, ça va. Et je vais lui prêter une de voitures à mon père. Mais par contre, faut que je fasse les réglages pour la brider. Pour qu'il va trop vite, et vu qu'il n'a jamais touché une vraie voiture RC. Bah ça, tu peux déjà le faire pour la radio. Merci Bumblebee. Ouais, bah, merci beaucoup Bumblebee pour le don à la chaîne. Et pourquoi une crotte, ah ouais, Bumble? Je sais pas, c'est pour le chien, je sais pas, j'en sais rien. Ah, ce qu'il y avait. C'est pour le chien, Tony, par contre, attention. C'est parce que tu sais que je vais en chier. Hein. Pour les croquettes. C'est pour ta femme, Tony, il fait un don à ta femme. Non, Bruno, cette fois, je vais voir pour moi, c'est moi qui va filmer, hein, parce que la tremblote. Hein. Ouais, mais ah non, il n'y aura pas les joggeuses si c'est toi. Chat. C'est marqué pour le super chat. Pour le chat, Tony. Ah bah, j'ai pas de chat en direct ou quoi? J'ai pas de papier transfert, il faut que j'en achète. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Hein? Non, je disais, Bumblebee, il a fait un don pour le chat. Ah, mais je sais. C'était marqué super chat. Trop gros. Ben non, vous n'avez pas d'humour ce soir, vous ne comprenez pas. Bah si, quand même. Ça nous fait pas rire. Bon, c'est pas très drôle. On fait ce qu'on peut, Tamiya. Voilà. On est à fond, là. Il y a une blague. Il y a Ben Bikes qui nous dit qu'il galère un peu sur sa carrosserie. Ouais, j'ai vu... C'est Ben Bikes qui fait les serpents, non? Le lézard, plutôt. Ah, le lézard, ouais. Sur le groupe, là, il y a quelqu'un qui a mis une carrosserie en cours, là, avec Benoît. Bah, ça va être Ben's Bike, oui. Avec des effets de peau de serpent, là, ça a l'air sympa. Peut-être que Ben's, ça veut peut-être dire Benoît. Ah, ouais, tu vois, t'as bien... Ouais, c'est ça. T'as bien ouais, mais bon, raison. Je veux dire, quand on roule avec une Obao et puis on fait des photos jaunes, hein, monsieur Legrand, c'est bon. Tamiya, il est resté avec ses photos jaunes là depuis 3 semaines. Non, mais je rigole maintenant parce que finalement, elles sont toutes jaunes les photos. C'est tout. Ah, ils ont sorti un nouveau. Enfin, je sais pas s'il est nouveau, le nouveau Samsung S21. Là. Il a l'air bien pour les photos. Ouais, mais si tu fais tes vidéos et que t'es pas sous une bonne lumière blanche du jour, ça fera toujours jaune. Ouais, je sais. T'as beau avoir le S22, même s'il le faut. Hein. Non, mais ça, c'est vrai. Non, non, mais tu peux prendre. Je vois ce que tu veux dire. Premier café, tiens, Christophe, il t'offre un café. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Flup. Premier café. D'ailleurs, Christophe, merci beaucoup pour le don. Merci beaucoup à Phil. Est-ce que tu as eu dans le colis une enveloppe? Elle n'a pas pété, Christophe. Non, il va annoncer que dans cette enveloppe, il y a mes autocollants de la serpente ou... Sébastien, je m'y connais pas du tout, Sébastien. Je sais pas du tout ce que c'est comme carrosserie, c'est pas marqué dessus. Christophe Lebro, bonsoir messieurs. Oh là là. Monsieur Christophe, salut et merci pour le don. De rien. Ouais, ça va, monsieur Lebro. Salut Christophe. Camilla. C'est vrai qu'elle est magnifique cette carrosserie, là. Sympa tes photos. Ouais. Maître Tony, oui. T'as oublié un petit truc. Ah merde, quoi? Le chèque c'est bon, la voiture c'est bon, le premier flacon d'huile c'est bon, mais le premier flacon d'huile c'est bon, mais meilleur bon cas. Mais c'est quoi le mais? Mais les 3 autres que j'ai commandés que t'as oublié chez toi. Ah oui, ils sont restés dans l'autre carton que tu vas avoir avec les 3 autres carreaux. Ah. En fait, ils étaient planqués sous du papier là, sous les carrosseries. Pas de soucis. Non, je savais que t'allais. Que j'allais oublier. T'allais oublier. Oh, ça m'aurait plu d'avoir la serpente dans le carton. On est j'en ai un qui aura fait la gueule. Salut Sylvine, salut Joseph. Il est en route, il est en route. Salut Chouki. Bon, regardez où il est. Oh, j'ai enfin réussi à remettre ma purtaine en 4 roues motrices. Ah. J'ai dû changer le système du cerveau. Ah, je croyais que tu allais dire, si j'ai remonté... un... hein, je croyais que tu allais dire, j'ai remonté les 2 roues et maintenant j'ai 4 roues motrices. Merci Julien. Moi je pensais juste le cardan. Juste le cardan qu'il avait oublié de mettre. Merci Julien. Merci Julien. Julien. Non, elle a pas merci, goûté. Julien. Parce que je les ai gardés pour moi. Ah bah bravo. Ah, vous pouvez goûter hein. Non mais ouais. Crib, hein. Non mais je vais les partager. C'est parce que pour l'instant je les ai gardés avec moi à l'atelier. Ouais. Les gars, c'est le chien qui va venir les manger. Tiens, pour ceux qui ont des grosses voitures, je cherche un support moteur pour un moteur de 40-74 avec un anthrax pour les vis de fixation sur le châssis 20. C'est qui a mis de la vidéo? C'est JB. Mais Christophe, t'avais déjà fait un ton tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, salut JB. J'ai changé d'icône. Bah, du coup, comme c'est la première fois que je fais ça, je suis complètement paumé. C'est pas grave, on te voit, salut, mais c'est un peu beaucoup la vidéo. Là. Tu... Il y a une bataille de dons. Hein. Qu'est-ce que vous avez avec les dons ce soir? Oh, on sait rien. C'est que t'as manqué à tout le monde. Ah, il venait me voir, il pleurait. Ah, on n'a pas Tony, Tony nous manque. Tamiya, elle était triste pour sa caro, pour tout. Ouais. Mm. Non, pas pour la caro. La caro, je l'ai. Il y a une bataille après, entre Christophe et Julien. Après... Calmez-vous, Christophe et Julien. Arrêtez. Ouais, après, je me vois, mais je vous vois pas. Mais non, parce qu'on est, juste en vocal. C'est JB ou bien c'est Julien, je sais pas. GB. Non, c'est GB, c'est GB. GB, c'est plus, ouais. Ah, y a GB. Nous, on n'est pas en vidéo Discord, on est sur le lien YouTube pour la vidéo et de Discord pour le son. Ouais, mais c'est juste qu'il a allumé sa caméra, mais tu peux l'éteindre, GB, ta caméra. À moins qu'il veuille nous montrer quelque chose. Non, non, ah, ça, je sais pas. Oh, dans 2 minutes, Tamiya, il va te dire que tu as la lumière jaune chez toi. Depuis qu'il se l'est pris dans la comme remarque. Il y a une bataille, les gars, mais qu'est-ce que vous avez? Merci, les gars, merci Julien, merci Flup, merci Christophe, merci Bumble. Je crois qu'ils veulent pas qu'il soit marqué Christophe en haut à droite, en bas à droite, je crois. Mais il vous prend quoi ce soir? Hey Yo-Yo, il y a 2 Suisses ce soir. Salut Yo-Yo. Ouais, maintenant. Ouais, j'allais dire, ouais. Salut Yo-Yo. C'est déchaîné. Et JB, je crois juste qu'il faut que tu appuies sur vidéo pour que ça coupe l'écran. Ouais. C'est la galère. Comme chaque portable vidéo, tu vas dans... Bumblebee, il a nouveau donné de l'argent pour le chat. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est bon là. C'est bon, on voit plus Christophe. Ah, par contre, moi j'ai tout un des icônes sur ma machine. Faut que je mette YouTube. Non, non, mais ah oui, il faut que tu actives YouTube sur un autre média ou bien sur ton téléphone. Et tu peux laisser en. Tony. Oui. Ouais, si t'enlèves la poche, ça va. Pour supporter Tamiya quand tu fais le montage pendant les vidéos. T'as réécouté le replay? Apparemment, il est vraiment chiant. Il était déchaîné, on aurait dit qu'il avait picolé. C'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il a dû prendre 2 jours de repos, plus ce soir il veut pas faire la voiture. Ah bah, il avait même pas envie d'ouvrir le kit ce soir, c'est pour ça qu'il a fait une peinture. Voilà, c'est ça. C'est dit un morceau par semaine avec Tamiya. En fait, il m'a usé. Là, et oui, il y a vraiment une bataille. Christophe, 2e café. Après, tu vas plus dormir, Christophe. J'avais une question, Tony. Qu'est-ce que tu prépares pour les demi-labos? Parce que ça se rapproche à grands pas. Hein. Bah, en fait, ça me turlupine et je sais pas quoi. J'ai aucune idée, en fait. Ça arrive plus vite que je ne le pensais. Et je me suis pas préparé. Et depuis 15 jours, je le vois arriver. Et mon cerveau, il reste à 0. Mais en ce moment, je suis tellement pris par des problèmes... J'avais des problèmes professionnels Et du coup, vous avez pu le voir, hein, j'ai pas avancé sur certains trucs. Comme par exemple, j'avais dit que j'achèterais une Coralie, bah, j'ai rien fait du tout. Ouais, ça et du coup, même pour les 2000 abos, et j'ai même pas le temps de remercier, ça va trop vite, les gars. Merci Christophe, et merci Flu. Vous m'entendez ou pas? Ouais, oui. On t'entend. Ouais. Tout à fait, on t'entend. Ah ouais. Parce que là, à mon avis, c'est parti, d'ici dimanche, ouais, 2000. Puis j'ai encore une vidéo dans la foulée. Dans la foulée, j'en ai filmé encore une autre de vidéo. Et... Ouais. Mais arrêtez, mais Julien, mais... c'est pas possible. Ça va spam le chat. Mais gardez votre argent pour le soir des 2000 abos. Ça te turlute ou pile le plus. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Roséo? Je suis perdu, il est passé où mon truc là? Ah, il est... Alors Tony, pour tes 2000 abos, tu fais un grand jeu concours et tu vas voir André qui va répondre comme une flèche. Bah André, il est plus là, hein. André, il a déserté, hein. Et t'as vu tous ces Suisses, Yo-Yo, il a à cause de monsieur David de Toulouse, il s'est acheté une Spada. C'est pas vrai. Et puis Yo-Yo, si. Il s'est aussi acheté une X-Ray. Ah, Christophe. Oh, Christophe. C'est pour les talons aiguilles de Tony, là. Allez, Scania. Bon, Christophe, je crois que la Caro, elle t'a plu, c'est ça? T'as acheté une Spada de l'occasion. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, Christophe Legros a reçu sa carrosserie aujourd'hui. Donc la belle carrosserie 765 GT8, vous savez, avec le design à 5 couleurs de chez BT Design. Non mais il y a vraiment une bataille, hein, les gars. Qu'est-ce que vous avez? Bruno, il a dit à 2000 abos, tu dois faire une caro made in Rémi. Oh, ça va pas être dur à faire. Faut préparer le décap pour. Je la donne directement à Rémi. Un peu de Saint-Ophère et c'est parti, hein, Rémi. Ça peut être, non, ça Rémi n'utilise pas de Saint-Ophère, il utilise de la choucroute. Ça peut être une idée, Tony, une caro spéciale 2000 abonnés avec des pochoirs au plotter 2000 abos, Tony RC. Ouais. Ça peut être une idée. Une édition spéciale. Ah tiens, j'en fais une demain. Mais une caro pour qui, Romano, une caro pour moi ou une caro Parce que le problème, c'est de faire une caro et... Puis s'il est marqué 2000 abos, ça intéresse pas vraiment, tu vois. Si c'est pour moi. Bien sûr. C'est normal. Tamiya, elle est intéressée. Donc Christophe, il remet ça, quoi. Ouais, les gars, vous arrêtez, sinon j'enlève l'affichage des donateurs. Je suis sûr que c'est à cause de ça. C'est un peu comme vous là sur les sites, vous remplissez le panier, puis quand vous avez choisi votre produit, en dessous il est marqué les acheteurs de ce produit ont aussi acheté avec la Spada les pneus options, la platine carbone. Quoi? Non mais t'as vraiment acheté une Spada, Yo-Yo? Faire un club. Moi, je suis sur une nouvelle Spada. Non. Arrêtez. Sébastien, merci beaucoup. Sébastien, merci Christophe. Oui. Merci pour ta vidéo. Laquelle? Sur le collage de pneus. Oh, c'est vieux ça. Ouais. Elle t'a servi? Ça sert. Bah écoute, c'est efficace. Pas besoin d'acheter un appareil à 70 € et puis c'est simple et c'est propre. Moi, ça me va. C'est sur les pneus 1/10 alors. Oui. Ah, Yo-Yo, il a pris où hier, pardon, Bumblebee. Non, non, pas de souci, vas-y, je termine. J'aimerais savoir, en France-Suisse, ah, il en a pris une qui était d'occasion déjà montée, alors, certainement. Bah, peut-être. Ah, moi, je suis sur une 09R. Là, moi, j'ai reçu ma caisse de munitions, quoi. Comment? J'ai reçu ma caisse de munitions. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'en avais une à vendre à 400 francs suisses, je crois, il en voulait le mec. Mais une caisse de munitions, c'est quoi? Une caisse de quoi? C'est pour mettre les lipos, pour les stocker. Ah. Christophe. Merde. En France, on achète toutes des caisses de munitions, c'est la guerre. Salut. Faut acheter les lipos maintenant. Salut Scania. Oh, Macron, il a dit c'est la guerre d'achète des caisses de munitions. Ouais, Scania, je fais les carreaux de camion. J'ai d'ailleurs eu une demande aujourd'hui. Donc la personne va m'envoyer un camion Tamiya. Donc le problème des carreaux de camion Tamiya, c'est que bah, c'est quasiment comme si tu peignais deux carrosseries d'un dixième, parce que en fait tu te retrouves avec la partie basse et la partie haute. Il y a un sacré boulot, mais c'est faisable, tout à fait. Et Christophe, le gros... Quoi, ça va être le... je t'ai pas envoyé tes huiles, mais si tu veux, tiens, voilà ta facture, 135 €. Et bam. Ça traînait, ça traînait là, c'est sorti du carton. En plus des 500. Il y a quoi dessus sur la facture? Je me rappelle plus. Il y a les huiles, il y a combien d'huiles? Je me rappelle plus. Il y a les rondelles bleues aussi. Il y a la vaseline aussi. 1, 2, 3, 4, 4 huiles. Après, il y a une Kyosho, une carrosserie Kyosho MP10. Ouais, une pour carrosserie. Je sais pas, il est marqué un BL. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc qui coûte cher, 69,80 €. C'est la vaseline, il dit. Je sais pas ce que c'est. C'est une référence. BL 60 80 607. Ah, deux blitz. Ah, une blitz. Ok. Les deux. Je sais pas, il y en a qui est une. Tu m'entends là ou pas? Il y en a pour 70 €, donc ouais, ça doit être deux carreaux. Moi je le crois, ouais. Ouais, c'est le prix pour deux. Parce que je crois que de mémoire, la blitz c'était plutôt 35. Ouais, on entend. T'as pas dit que tu mettais une partie de la facture de la Serpent chez Christophe? Ça marche pas là. Ah, je peux essayer. Si, si Christophe il accepte, je veux bien. D'accord, merci Christophe. De rien, t'as vu. Ça marche pas. Je peux aider un pauvre Suisse. Oh bah, t'as vu, j'ai vu que t'étais pas mal. T'as le même carrelage que moi, presque la même télé. Ouais. Ah, la télé, ouais, c'est une grande télé. Là, je suis en location pour l'instant, donc j'attends mon appart. Ouais, c'est du carrelage cher, donc t'as un appartement. Donc, si ça marche, hein. Ouais, mais oui, non, mais je préfère le parquet. C'est qui parle là? Je connais pas la voix. C'est GB, excuse-moi GB, on t'écoute maintenant. Ouais. GB. Comme j'essaie de comprendre comment ça marche, mais bon, ça va. On t'entend bien en tout cas. Oh, bah tant mieux. T'as quel âge GB? J'ai quel âge? Ouais. 38 ans. D'accord. Non, mais au-delà de 30 ans, Discord ça paraît compliqué. Ouais. Ouais, mais moi c'est depuis toujours le réseau. C'est YouTube, c'est bon, mais. Demande à David Toulouse, il y a toujours du mal avec Discord. Ouais, je pourrais pas dire, mais Discord, et sur Discord il n'y a que des vieux. Hein. Le seul jeune c'est Rémi, hein, c'est tout. Hein. C'est vrai. Ah, non, mais c'est vrai que Discord c'est pas très. Moi j'ai 47 ans. J'ai 20 ans et bientôt 21 au mois de mai. Ah bah. Ah, bah. Ouais, c'est le jeune alors, ouais. Bah, c'est cool. Bon, le vieux il est pas là, je sais pas où il est. Bah, c'est moi le plus vieux, je crois. Non, Claude. J'ai attendu un peu histoire de remettre le feu. Ah, tu as pas d'argent. Ding ding. Merci Stéphane Roséo. J'ai attendu un peu. Ah oui. Alors Stéphane Roséo, plus connu sous le nom de L'Aloutre RC, vous pouvez l'ajouter sur Facebook parce qu'il a créé, il est en train de créer une boutique et il fait des méga promotions, monsieur L'Aloutre. Par exemple, il communique que par Facebook, donc ça ira pas pour Tamiya parce qu'il n'a pas de compte Facebook. Mais par exemple, il a fait une promotion là pendant quelques jours. Sur la X-Ray T4 2021, au lieu de la vendre, je sais plus, dans les 640, il la vend 599. C'est la promo de pendant 15 jours. Bon, Anthony, t'en as déjà monté. Frais de port inclus, faut pas oublier. Voilà. En tout cas, Yo-Yo, il a acheté une très belle Spada. Comment tu sais? Bah parce que je l'avais vu. Il a acheté la Spada d'un Suisse qui s'appelle Fabio Silva. D'accord. Ah, vous avez 2 secondes, je vais vous chercher le petit chien parce que là il hurle. Oh. Bon. Et Tamiya? Oui. C'est quoi ton prochain châssis? Mon prochain châssis, je vais déjà avoir le mien. Mais pourquoi ta femme, elle gronde, Yo-Yo? C'est quoi ces femmes suisses? Mais les Suisses, il est peut-être pas suisse, non? Si, les Suisses. Ah ouais? Eh, Tamiya? Oui. Imagine que ta Serpent a fait comme ta X-Ray, bloquée à la douane pendant des semaines. Non, non, elle va pas être bloquée à la douane, celle-là. On serait pas plié. Ouais. Je serais plié en 4 mois. T'as demandé à Tony s'il a fait une vidéo de ta VT? Je pense qu'il a fait une vidéo. Je n'ai pas demandé, mais je pense. Ouais, je pense pas. Merci Tony, je me suis fait allumer par beaucoup de fournisseurs. Non, la VT. La VT, bah non, c'est une voiture de pauvre. Alors, il va pas se mettre ça. On n'a pas les mêmes valeurs. Pourquoi tu t'es fait allumer, Stéphane? Bah, à cause des remises. Bah, il fait ce qu'il veut, non? Mais non. Salut, Ramsès. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas ce que tu veux, quoi, en fait. Bon, voilà, je vous présente Ramsès. Il est beau, ton chien. Toi qui pleure? Ah, il pleure, mais à mort, là. Là, il y a combien de mois, là? Il a 2 mois. Il a 2 mois et il a c'est son 2e jour sans sa maman et ses frères. Oh. Donc là il hurle. J'ai perdu l'habitude des petits chiots grands. Oh. Parce que moi j'ai eu des chiots golden, j'ai oublié qu'ils étaient aussi grands comme ça. T'es miaule. Ça fait ouf ouf les chiens, pas miaou. C'est sûr que c'est un chien, Tony. C'est un chien du Nord. C'est sûr que c'est un pareil. Il fait des chouilles. Ah, c'est mignon quand c'est des millions d'amis. Après, quand ça grandit, ça casse ses couilles. 30 ans. Tu fais gaffe à ma Serpent, Ramsayer. Hein ouais, va la bouffer, Ramsayer. Ah non, va faire pipi dessus. À papa. Va faire pipi dessus. Allez. Va faire, voilà. C'est ça, va faire popo. Crotte dessus, s'il te plaît. Il fait ouf ouf. Voilà. Bravo. Bon, voilà, on dégage la carrosserie à monsieur GB et puis bah voilà. Hein. Ah, t'aurais une peinture personnalisée GB. Ouais. Avec des poils. Spécial autographe. Bon, on va le peindre avec des poils de portugaise. On va le peindre spécial les chouilles. Voilà. Oh. Il est mignon. Bah, Tony, tu vas passer à 10 000 abonnés avec ça. Ah ouais, là, il faut prévenir les nanas, parce que là, je peux vous dire, j'ai mis une photo sur Facebook, il y a 99% de likes de nanas. Ah, ah bah, et puis drague. Ah bah ça, c'est un démon à gonzer, sans les chiens. Oh, bah, surtout les chiots. Surtout les chiots. Surtout les chiots. Et pendant 2 heures, allez hop. Voilà. Ouais. J'avais mon bouvier verdois, oh, il est mignon, le chien. En fait, si tu veux, là-haut, là, ma femme et mon fils, ils se sont couchés. Et là, le chien, il hurle à mort. Voilà. Ouais. Oh. Bon bah du coup il va dormir là. Du coup, la carreau. Tu restes là en face de moi. Non, hop, on va le mettre par terre. Allez viens. Hop. Allez, on va te reparler. Il va avoir toutes les couleurs. Oh, bon, il va manger le pneu à Tamiya. Et tu vas où trou du cul? C'est bien d'explosion, je dis, c'est trou du cul. Ouais, et ce soir, le direct de Tony, la carreau à poil. Ah ouais, j'aimerais bien avoir un chien comme ça. Enfin, moi j'en ai 2 comme ça. Enfin, c'est pas des labradors, mais c'est presque pareil. C'est quoi? Tu joues à quoi? T'es Golden Retriever. Ah ouais, c'est joli aussi. Donc voilà pourquoi... donc une raison de plus pourquoi j'ai pas fait de live, voilà. Ouais. Ah. Là, parce que hier c'était sa première nuit ici et il était terrorisé. Ouais, moi je m'étais dit ouais il travaille sur ma carreau à fond et tout. Mais en fait non. Je travaille à fond sur le chien. Ah Julien. Non, tu tombes bien. Non. Non, c'est GB qui t'a dit ça ou bien c'est Julien maintenant? C'est GB. C'est GB qui te parle. Ah, mais vous avez la même voix, toi et Julien. Ça, c'est dingue, ça. Ah bon? Ouais. Merde. Par contre, j'ai du mal à avoir la vidéo YouTube et vous en même temps. Ça... Mais tu mets... T'es sur une tablette ou bien t'es sur quoi, un ordi? Sur le portable en fait, et du coup je lance YouTube à côté. Ouais, mais tu laisses l'application Discord en comment allumée, et puis tu vas dans YouTube quoi. Ouais, bah c'est ce que je fais, mais ça, je sais pas, ça. Bah, ouais, ça marche en principe. Ça fait bizarre. T'as baissé le son de ton YouTube? Ah si. Ah, ça ouais, baisse le son de ton YouTube. Le Discord va rester ouvert. Faut le couper complètement, le son du YouTube. Tu le coupes complètement. Tu écoutes que le son du Discord. Sur la vidéo. S'il y a un décalage entre l'image et le son, c'est normal. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, ouais, j'ai un décalage. Et t'as appuyé sur le petit haut-parleur, sur la vidéo de YouTube, pour ça tu baisses le son. Ouais, tire sur la bobinette et la chevrillette va s'ouvrir. Ouais, okay, alors, je vais me remettre sur YouTube là, parce que ça... Ok, je vais refaire l'opération. Hop. Qui c'est qui a mangé qui? Ah non, ça va être bien, Tony. Non, non, mais en fait, je vais galérer avec le... Avec le chien. Avec le chien, parce que... T'as vu, il mange des chips. Eh, Ramsès. T'as gagné 2 €, Tony. Encore, tu vois. Ça marche. Ça joue, GB. Ouais, je crois que c'est bon. Là, Tony, t'es en train de faire l'avant, c'est ça? Merci. Non, t'es en train de faire la guitare, là. Ouais, c'est l'arrière. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Vous êtes déchaîné ce soir. Bah, faut bien être déchaîné. Alors, non, j'ai un décalage. Oh, c'est normal. C'est normal, il y a un décalage. Oh, bah, nous, c'est pareil. Ouais. C'est plus le Discord qui est en direct que le YouTube, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça fait vraiment bizarre. La première fois, je me suis dit... Moi aussi, ça m'a fait bizarre au début, et au final... Ouais. Monsieur JB, Rémi, t'es bizarre. En fait, j'entends mon voix 10 secondes après. Discord, non, toi, tu me sautes pas dessus. Mais je vais aller sur tes jambes. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment un bébé qui a été abandonné par sa maman, là, et du coup, il a encore du mal, là. Bon, pour téléphone, il va encore tomber. L'éducateur, il m'a dit, ouais, vous en avez au moins pour 3 jours. Parce qu'il pleure comme ça à fond. Ramsès. Non, mais mords pas ma poignée de ma boîte de modélisme. Hey, j'ai hâte que tu fasses le montage de la Serpent avec le chien. Oh, mais... On va rigoler 2 minutes. Et je sais pas si le carbone ça se croque bien. Ça. Salut Ludomate Proof. Salut, merci Julien et merci beaucoup JBD. JBD. Salut JBD. Qui fait aussi son don merci de JBD. La soirée. Salut JBD. Merci. Et Christophe. Oui. Toi tu vas rire, mais Tamiya il va pleurer que tu vas voir ça surtout. Ah oui. Nous on va rigoler. Non, oui. Ah oui, non, on va rigoler. Ouais. non. Hâte de voir ça. On va être obligé de faire des dons pour les dégâts. J'ai une question. Alors, comme ça, c'est pas mieux de faire sur Discord sur le portable et mettre sur le YouTube sur la télé? Oui, aussi, tu peux le faire aussi. Hein. Tu peux le faire aussi, tu peux tout faire. Moi j'ai Discord sur le PC et YouTube en même temps. Regarde, moi j'ai la télé YouTube et Discord sur mon téléphone et ça marche très bien. Hein. Ouais, bah, je sais. J'ai aussi YouTube des fois sur mon téléphone aussi, ça marche très bien aussi. Ouais. Et puis YouTube, les deux à la fois, moi ça, je sais pas, ça fait bizarre. En fait, j'ai 10 secondes de délai. Ouais, donc, mais ça, nous on l'a aussi un petit peu. Ah, ça c'est normal. Hein. Aussi, ouais. Ah bah, moi j'ai du mal. Ouais, non, mais c'est normal. Ouais, mais 2-3 jours d'acclimatation, c'est pareil comme le chien. SGB. Ouais, bah, je vais tester déjà avec la télé, voir si. Fais attention à tes réglages sur la télé, hein. T'as mis la cramé la sienne. Ah oui. Ouais, mais moi c'est une Samsung, c'est bon. Il a voulu mettre Sony. Ah, ben justement, c'était une Samsung. Merde. Eh, mais non, ça c'est le carton pour Tamiya, ça. Fais caca dessus. Là, tu te fais bouffer le carton. Faut pas la mettre par terre, la serpente. Elle est déjà par terre. Et JBD qui vient de dire, je viens de claquer la CB pour le soutien de Tony RC. Merci à toi, JP. Ah, bon bah vite, on refait la serpent alors. Avant qu'elle soit bouffée. C'est trop tard, Tamiya. GB, tu es là? Oui, oui, je suis là. Alors, je te vois pas encore, mais je t'entends. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette carrosserie? La carrosserie que j'ai achetée, alors j'ai acheté sur eBay, et en fait c'est donc une carrosserie américaine. C'est une, alors c'est une short course, et c'est une Ford de, enfin, qui ressemble à une Ford de 1934. Ah oui, ah oui, moi j'ai dit 1950. Ah, on en fait, c'était 1900, enfin bon. Tony, il faut que tu fasses la serpente, tu démarres à $10, JBD. Et moi j'aime bien les carreaux un peu vintage. Elle est sympa, c'est vrai. Ouais, ouais, elle est belle en fait. Un peu. Mais tu vas mettre quoi comme châssis? Tu avais dit, mais je sais pas. En fait, je vais remettre sur la. Parce que je... en fait, j'ai deux voitures. Moi, j'ai la Timasu Nomad DB8 et la Timasu SC10B. Et comme c'est comme la SC10, mais en buggy. Mais finalement, je pensais qu'elle passerait sur la SC10B, mais non. Donc, du coup, je vais la mettre sur la Nomad. Normalement, elle passe. Elle passe. Il faut juste que j'enlève les pare-chocs, mais c'est bon. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la marque de cette carreau? Bonsoir, Venom. C'est McAllister. C'est américain. C'est un fabricant artisanal. J'ai pas fait gaffe, mais ouais, c'est possible. Ouais. J'ai acheté. Ça venait. Je crois que ça venait de Phoenix au départ. Combien de temps ça a mis? Bah, j'étais étonné, ça a été rapide, hein, parce qu'en fait, ils avaient dit à peu près un mois, et en 2 semaines, je l'ai eu. Ouais, t'as mis quoi? Tu mets McAllister Body Shell, non? J'avais McAllister... Ouais, en général, tu mets Body Shell. Ah ouais, il faut mettre Body Shell. Ouais. Mais dis pas comment il faut trouver tes carreaux, parce qu'après il y a Bumblebee puis David, ils vont passer leur soirée à regarder. Non, juste pour savoir. Après ils vont mettre dans le panier, après ils vont... Bah, en fait je suis tombé sur eBay, moi je regarde pas mal sur eBay, et je suis tombé dessus, je dis ah tiens c'est bien, et en fait c'est vrai qu'après je sais plus si Sébastien ou... qui était allé voir sur le site directement à McAllister, c'est ça qu'il y a pas mal de choses là. Non. Ah si, là. Bon, après, il y a plein de marques hein, qui font des carreaux. Hein. Ouais, mais... Attends, il y a des carreaux atypiques, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, des carreaux différents un peu, ouais, comme ça. Non. On est en live. Allez, il s'en bat les oreilles, là, je crois, là. Tony? Oui. Il y a Venom qui te dit qu'il va faire une petite vidéo qui sort mardi sur un unboxing en rapport avec la RC sur sa chaîne. Et puis qui te demande s'ils peuvent mettre ton lien en description. Bah, bien entendu. Bah voilà. Donc on rappelle que Venom a une chaîne YouTube qui n'avait pas de lien jusqu'à maintenant avec la RC, mais je crois qu'il va faire un petit peu de RC aussi. Il va faire si je me trompe pas, Venom. Un mix RC Serpent. Un clin d'œil. C'est sympa, Venom. Il y avait une question de je sais plus qui te... Ah, de JBD te demande si c'est de la face color, ta peinture. Je sais pas. Tony a changé de chien. Oui, j'ai changé de chien. JBB, si tu viens d'arriver, tu l'as pas. Je l'avais montré. Allez, on va le montrer, mais là, c'est parce qu'il venait de se calmer. Je mange des granoles là. Bah, un chien noir, c'est dur à montrer hein, en même temps. Oh, miaou. Il connaît pas les choper ta serpente là-bas. Il connaît pas les. Il a le sacré patoune quand même. Ah bah oui, c'est un labrador, ça a des grosses pattes. Hein. Oui, ah ouais. Ta maman, tu la verras plus, je suis désolé. Bah, c'est bon. Toi, sa maman. Et là, il va chialer à mort là. Oh, et on dirait Rémi sans famille. Faut pas lui dire ça. Bonsoir Sylvain. Salut Sylvain. Allez. Salut tout le monde, je suis Francis. Hey Gers. Salut Gers. Notre Canadien. Gers, ça va qui? Ça va bien? Salut Gers. Ce soir c'est la peinture sur chien. C'est pour JBD. C'est pour JBD, je remonte le chien. Bah, j'ai réussi à mettre sur la télé là, c'est cool. Mais tu vois, chef. Fais un bisou. Ouais, pas trop, pas trop. Ah, tu pues. Non, mais il pue de la gueule, mais c'est terrible. Tu lui donnes quoi? Faut choisir des croquettes à porter. Ah non, bah de toute façon, j'ai passé une nuit de merde. Bah oui, mais c'est un petit bébé là, il vient d'arriver hier et c'est sa première nuit sans sa maman, donc voilà quoi. Ouais, les carrosseries vraiment sympas chez McAllister. Vraiment les trucs qui sortent du commun, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est pour ça que. La caméra elle est tombée. Un, deux. Sympa, là. Oui, on t'entend Stéphane. On va avoir du mal à travailler sur la caméra avec toi là. Bah, c'est un live chien, voilà. Tu vas avoir plein de public féminin, là, c'est cool. Là. Ça va exploser. Voilà. Il manque plus que les chevaux, et c'est bon. Je vais voir si en partageant la vidéo, le live, il va voir le chien en photo de miniature. Ah, JBD, achète pas de la face color. Enfin, ça dépend. Si t'as le coloris que tu veux, achète-le. Eh mais non, mais tu vas pas me manger les pieds. Hein. Voilà. Alors, il s'appelle Ramsès, le chien. Ludo. Ramsès 3. David, es-tu sur Discord? Oui, monsieur Gers, je suis là. Oui, tu regarderas sur Discord, j'ai vu une photo, j'ai reçu mon pistolet. Ouais. Voilà, c'est bien. C'est toi qui l'avais trouvé, je pense. Ah, t'as pris la mallette à clé. Ouais, c'est ça, j'ai suivi quand j'étais conseillé en fin de temps. Ouais, je pense que ça te servira. Il y a JBD qui me dit qu'il n'y a pas de noir pour aérographe chez Aérographe Discord. Ah, la télé, il y a une pub OBS avec une Kyosho. Alors, JBD, t'es pas obligé de prendre. Tu voulais prendre quelle marque, JBD? Tu peux prendre de la... Celle-là, tu vas tout le temps la trouver chez Aérographe Discount. C'est la marque Prince Auguste. En fait, tu peux prendre ça. Mais ça, si tu l'as pas en stock, voilà, donc la Créatex. Non, tu vas là, toi. Allez, hop, assis. Ah, du coup, je vois pas le chat sur la télé. Il faut activer. Pour avoir le chat sur la télé, t'es là, comment tu m'entends? Ouais. Tu déroules le truc là où c'est marqué en direct avec la barre rouge. Et puis tu vas sur IH chaîne et puis chat en direct. Et puis tu cliques dessus. Faut mettre la barre, je sais pas, sur ta télécommande, sur ta box, je sais pas comment. Mais arrête! Ah bah, c'est avec ma télécommande là de. Parce que ouais, moi je l'allume avec le DVD. Hein. Sur le écran. Ouais, mais t'as. J'ai YouTube, mais alors du coup, j'ai le grand écran, mais après, j'arrive pas à voir. Mais t'as pas une roulette sur ta télécommande? Ah, si, alors. Ah. Tu fais le bouton en haut, je sais pas ce que t'as comme télé, mais tu fais. Là, j'ai réussi à avoir un truc. Puis t'as la barre d'avancement, puis c'est marqué en direct. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Puis dans le coin à droite, t'as 3 icônes. Avec 3 points. Ouais, c'est ça que je... Non, pas 3 points, c'est marqué chat en direct. T'as pas chaîne, chat en direct et 3 points. Ah ouais, ils ont une carrosserie Street Road. Chez McAllister. Ouais, j'avais essayé de regarder sur internet McAllister, mais je n'ai pas trouvé. Moi, mais je sais pas, moi. Si, normalement, tu l'as. Hein. Je l'avais vu dans McAllister. Je l'envoie, comme ça, il va. Non, mais il faut mettre McAllister 1/8, Rémi. Ah oui. Non, mais il faut surtout mettre McAllister MC. MC, ouais. Là, je te mets le lien, Rémi, de la Hot Rod, et puis après, tu pourras voir. Pas M-A-C-C-K. Tu m'avais dit quoi, Tamiya, après, quand tu es sur le... En direct. Ah oui, non, mais tu as la barre normalement de YouTube où c'est marqué le temps du programme, c'est marqué en direct, d'accord? Ouais. Puis à gauche, tu as les ronds là, avec chaîne. Ah oui, j'ai lu toute chaîne. Chat en direct, et puis les trois points en vertical. Tu appuies sur chat en direct, puis tu comme si tu validais ça. Et, mais le chat en direct, c'est sur le Tony RC ou sur les trois points? Non, sur le, au milieu. C'est Pascal qui a un beau bouvier d'argent. Mince, c'est comme... ça fait comme deux enveloppes, hein, comme deux petites enveloppes, comme des bulles où tu parles. Le schéma. T'as pas? Non. Je vois le truc chaîne Tony RC et les trois petits points. Et t'as pas de chat en direct? Non. Ah bon? Quand tu vas sur le chat, t'as pas... comment dire? Attends. Acheter le bouton sur le truc. Hein? Hein? Bah, j'ai le Tony RC, le logo Tony RC à gauche, et le chaîne Tony RC, et les trois petits points juste à droite. Et c'est tout. Tony? Ouais. T'as une demande de la femme. T'as une demande de la femme de Venom, elle voudrait revoir ton chien. Attends, il est parti se coucher là. Pour une fois qu'il est calme. Il est en train d'essayer de se coucher dans le coin là. Bah, sinon tu fais avec la, tu descends la caméra. Bah non, mais il est dans le coin là-bas. C'est juste que là, t'as vu tout à l'heure, il était infernal et puis d'un seul coup, il vient de se coucher. Là. Ouais, bah. Oh, c'est chaud. Hein. Bah non, réveille-le pas alors. McAllister. Alors, on parle de chiens, j'ai les chiens de mes voisins qui aboient aussi. Là, tu parles trop fort, Tony. Rémi. Il s'est réveillé, c'est bon, pour la dame à Venom. Le voilà. Ah ouais, les carreaux malades. Ah, j'ai déjà réussi à changer la résolution, c'est déjà mieux. Il y a Daniel qui dit à Tony que t'as pas répondu concernant le fait que tu traces à l'intérieur. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise? Ouais, il veut savoir, je sais pas. Ah, si, ça y est, maintenant j'ai le... réussi à... T'as réussi. Monter la résolution, en fait, je vois du coup le... Ah oui, t'étais peut-être en... Ouais, d'accord. Ouais, j'étais en 240p, je voyais que dalle, en fait. Ah oui, en 240p, ouais. Laisse tomber. Je suis à 720, mais par contre, j'ai pas tous les messages... Tu sais, c'est complètement à droite et c'est... Ouais, mais t'es obligé d'être en 1080 pour voir tout. Ah, faut que je change l'image de ma télé. Mais tu vas sur les trois petits points, là. Tu cliques et puis tu, à un moment donné, ça va marquer HD qualité. Et puis si tu arrives, après, tu as le menu qualité de la vidéo. Ouais, moi c'est bon, j'ai pu changer la qualité, c'est bon là. Okay. Mais c'est juste que, en fait, le chat, les phrases sont complètement à droite. Et donc, j'ai que la moitié des... Les phrases, donc peut-être qu'il faut que je change mon image sur la télé. Mais des fois, sur la TV, il faut marquer image originale, parce que tu mets 16/9 ou bien, je sais pas quoi, des fois, il fait mal l'upscaling. Alors, je réponds à Daniel. Pourquoi je dessine à l'intérieur? Parce qu'en fait, monsieur GB, il m'a demandé de lui dessiner une guitare. Ouais. Et du coup, mais là je suis pas en direct sur YouTube. Non, mais c'est juste. Y a pas besoin de regarder. Hein, il fait comme si tu étais à la radio. Là. Je lui dessine une guitare parce qu'il m'a demandé une guitare, n'est-ce pas vrai? Ah ouais, mais... Oui, c'est vrai. Mais enfin, comme je vois Macaro, je me dis, bon, en même temps, je peux contrôler. Ah, tu fais comment avec les vis, ça? Bon, bah, ils sont en direct. Et heureusement est sympa ce site. La guitare? Ah ouais, c'est clair. Ça change. Ah mais là, ils ont fait des kits de conversion TT pour empister. La guitare et le dessin de cette carreau n'ont absolument rien à voir avec tout ce que vous pouvez connaître. J'aime bien te différencier. Tu as raison, c'est sympa. Voilà, moi j'aime bien. Il y a une marque aussi italienne qui fait des carreaux un peu différents de ce qu'on trouve, qui s'appelle Delta Plastic. Ils font un peu de NASCAR là, comme on voit. C'est rare à trouver, ouais. Je vais mettre le lien, tiens. Pour Delta Plastique. Et alors, Delta en fait, Plastique. GB, c'est un grand guitariste. Delta Plastique. Delta Plastique. Delta Plastique. Delta Festival. Ouais, c'est vrai qu'ils font des carreaux, mais je trouve ça que dans les autres marques, ça se ressemble tous un peu. Bah ouais. Là, le site, on voit, bon, le site est vieux. Les photos sont pas très jolies de ces carreaux. Il y a beaucoup de gens qui hésitent. Mais franchement, une fois la carreau peinte et décorée, ça fait des très belles carreaux. Il y a des carreaux de l'Ancia Delta, il y a des carreaux de... Il y a plein de trucs, quoi. Alors, tu sais que ça change. Avec ta carreau là, de vieille... et ils sont en 1.8 aussi, en long 1.8. Il y a monsieur Sébastien Faussaire qui aurait voulu faire du hot rod façon américain avec du flaming devant sur ta voiture. Ouais, ouais, c'est ce que... Ouais, et j'ai regardé, il m'a ajouté sur Facebook, en fait, il est... Ou je sais plus si c'est sur Instagram. Et en fait, il est archi passionné de hot rod. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une voiture qui est faite pour le hot rod, mais genre, je voulais changer. Enfin, je voulais faire un truc différent. T'as le droit, et c'est bien de pas être comme tout le monde. Bah oui. Ouais. Bon, le chien il s'est endormi. En tout cas, je vois le dessin de la guitare là, c'est top. Hein. Ouais. Hey, bonjour monsieur 100% RC. Salut 100%, tu es le bienvenu. Ah, salut 100% RC. Parce que l'autre fois, il avait mal compris ma blague, il était parti. RC. Vous vous souvenez? Ouais, il était parti sans comprendre, mon pauvre. Ça va 100% RC? Salut, j'arrive de Facebook. Il y a eu un sacré débat sur un post. Salut 100%. Salut... Ah non, j'ai déjà dit salut à Phil. T'es au boulot 100%? Tu vas nous remettre des bonnes photos de gâteaux. Ah oui, mais nous des photos de pâtisserie. J'embauche à 2 heures. J'arrive 100% RC. C'est pas pour bosser, pour goûter les gâteaux. C'est un sacré métier. Hein. Je tire mon chapeau à tous ces gens parce que aller taper des nuits et pour faire plaisir à tout le monde le samedi matin, bah, c'est un sacré métier. Non, c'est vrai. Bah, c'est un de mes plus grands plaisirs, hein, le samedi et le dimanche matin, d'aller chercher mon pain, de prendre mes petites pâtisseries. Ah ouais, ça c'est cool. Alors recommence par parler à manger, ça va être fini. J'ai failli te manger, ton paquet de granola, quoi. Ah, fais gaffe, le granola, tu prends vite après. Hein. Ouais, mais tu attendras l'ouverture à 7h30, Tamiya. Non, non, je viens travailler avec toi. C'est pour ça. Alors, donc, ta carreau, est-ce que ta carreau GB, c'est la Hot Rod GT Body, non? La 308. C'est la... Attends, je me souviens. Normalement, il y a marqué short course... Attends. Elle n'a pas d'aileron. Normalement, elle est marquée compatible Traxxas /. Non, il n'y a pas d'aileron. Ils ont même des carrosseries NASCAR. Il n'y a pas d'aileron. Le nom, ouais, la Ford au départ, elle est faite pour être montée sur un cheval. Ouais, pour ceux et celles qui aiment les hot rods, j'en mets une dans le chat YouTube. Il y en a une là qui est vraiment, enfin pas hot rod, qui est custom, qui est très très belle aussi. J'ai dit merci JB d'être abonné à ma chaîne. Un hot rod, tu vois. Ouais, c'est un hot rod custom, quoi. Ah, moi, j'en peux plus. Le chien, il fait des proutes, c'est intenable. Non, mais il est pourri, mais il est pourri. Hein. Ouais, moi, il est jeune. Moi, j'ai mes golem, il pète et il rote. Ah bon? Ouais, mais toi, t'as l'habitude de Rémi. C'est les chats en ce moment. T'en as 10 de chiens, non? Non, bon, 8. Bah, c'est pas loin. Ouais. T'as vu, chien? Qui c'est qui a son son allumé? C'est David. Tu le sais, tu regardes en Discord, tu vois celui qui s'allume. Ouais, c'est pas mon tout, quoi. Ah, du coup, il n'y a plus personne qui parle quand je dis ça. Bon, je crois que c'est pas moi. Hey. Hey, Tony. Ouais. Pour les phares, je voulais que tu fasses un truc toi-même. Parce que le phare du autocollant, là, je l'aime pas trop. Je sais, je suis en train de les faire. Ouais, ouais, je vois. D'accord, ok. Et du coup, pour les couleurs, tu as pu voir si ça allait bleu, blanc, et faire les tests. Alors, redis-moi, tu voudrais tes arabesques idéalement dans quelle couleur? Alors, idéalement en blanc. Bah, mais, oui, ça devrait aller. En or, ça aurait pas ressorti, c'est sûr. D'accord. Et en fait, c'est le bas de caisse où j'hésitais entre soit en or ou soit en bleu plus foncé. Plus foncé. Donc, alors. Le bleu qui plaisait, c'est le nouveau que j'ai reçu. Le ouais, voilà. Celui-ci. Ouais. Parce que, non, voilà, ça, c'est un bleu classique. Hmm. En fait, je pensais que tu puisses mettre le bleu que tu as reçu. Comme ça, tu aurais le bleu clair et puis le bleu que tu as mis, enfin, celui que tu as reçu. En... Je pense que ça irait entre le bleu clair et le bleu foncé. Enfin, le bleu normal. En bas. Alors, je vais te montrer un petit peu. Alors. Bon, avec tous les liens que je mets à McAllister, ils vont peut-être m'en offrir une. Le bleu à gauche, c'est le bleu foncé métallique. Enfin, il n'est pas si foncé que ça, mais il s'appelle Metallic Blue. Celui-là, c'est un bleu classique azur. Et ça, c'est mon bleu très clair sur lequel tu avais envie plutôt qu'il y ait ta peinture principale de cette couleur-là. Ouais, alors en fait, je dois avoir un décalage sur YouTube, donc je vais attendre. Parce que là t'as mis les couleurs, là, c'est ça? Ah ouais, ça fait déjà 30 secondes. Ah, regarde si t'es en direct. Je peux pas être en direct. Attends. Bon, tu relance ton YouTube. Tu relances la vidéo. Ah ouais, je vois le... Ah ouais, t'es en train de secouer le bleu, là. Ah ouais, d'accord, là, je vois les bleus, là. Ok. Et je vais relancer après. Ah ouais, d'accord, je les vois. Ok. Ouais, ok, donc je suis en train de voir là. Tu viens en Suisse alors 100% Tamiya. 100% Tamiya. Oh là là. Voilà, vendredi, tout est permis, Tamiya. Ouais, Tony, là, je vois les couleurs du coup. Ouais. Donc là, tu montes la gauche le plus foncé. Bah ouais, voilà, tu pourras mettre le plus foncé en bas. Et bah parfait. Ah, en Suisse, on boit que le vendredi. Et après, je sais pas, entre les deux bleus, parce que tu as deux bleus clairs, je sais pas ce qui est le mieux. Bon, bah, le bleu clair, c'est ce que toi, t'aurais voulu. Bon, c'est pas grave, moi, ouais. je vais te créer une teinte, parce que tu veux du bleu clair, on est d'accord? Ouais, tu sais, le bleu comme le... Tu sais, ouais. Qui ressemble le plus au bleu que je t'ai envoyé en photo. J'ai cherché chez tous les fabricants, je l'ai pas trouvé. Hein. Ah, mince. Bon. Bah, en bleu métallique, ouais. Il n'existe que du bleu classique, hein, du bleu moyen, mais pas clair. Okay. Bah, bleu, ouais, bah alors fais un bleu. Ouais, fais au mieux comme tu peux. Hein. Ouais, merde-toi, fais comme tu peux. Hein. C'est ton métier, Tony, hein, tu te débrouilles, t'es un professionnel. Ah, c'est pas mon métier, arrêtez. Prends le métier, on va pas te comprendre. Et d'ailleurs, bah, à propos de ça, d'ailleurs, tu m'as pas dit pour le tarif. Hein. Voilà, parce que bon, là, tu vas prendre cher. Ouais, parce que le bleu clair, déjà, je crois qu'il il est pas en stock. C'est le plus cher. Là. Déjà, c'est quoi la marque de la guitare déjà? C'est gratuit, c'est vendredi. GBD, ça, il dit la même chose. Ouais, il a raison. En fonction de la marque de la guitare, il fait un prix. Non, mais il y a la grille des tarifs, hein, il peut calculer déjà. Bon, la guitare sur par rapport au dessin ou ma guitare à moi? C'est pas la même marque. T'as toujours de la guitare alors, GB? Ouais, un peu, ouais. Du coup, la question, c'est est-ce que tu peux nous jouer un morceau? Il a réveillé le chien. Alors, je peux te faire un morceau. À chaque fois, je chante en yaourt et je te fais un son. Ah. Et si ça réveille le chien, c'est que tu joues mal. Tu veux quoi comme ah bah, c'est un truc tranquille ou un truc ouais, tranquille. J'ai peur. Il y a le chien qui dort là quand même. Attends, on va déjà voir ça. Une balade alors. Mais non, ouais, mais c'est toi, il y a GB qui rêve de s'éveiller. Il a te chanter la balade. Il y a JBD qui croit qu'il y a tous les jours des tombolas chez Tony déjà l'autre jour. De toute façon, il n'y a que moi qui gagne à la tombola chez Tony. Non, mais vous la gagnez, la serpente, ton tombola. Ok. Ah bah voilà, il est content, JBD, il a trouvé des tas plastiques. T'entends là ou pas? Oui. Ouais. Ouais, si tu peux la mettre plus près du micro, c'est encore mieux. Voilà. A is always so done. A is always leaves on. So always come in. So done, so always leaves. C'est lui qui joue, c'est moi qui reçois l'argent. Ouais. Mais merde. Le voilà. Chien est endormi à mort là. Ah bah bravo. Oh Ramsès, un très joli morceau. Franchement bravo. Ah, merci. Bravo. Ouais. Bravo, nickel, ça fait une belle musique. Et, ouais. Et moi je dessinais beaucoup mieux quand tu jouais. Ah bon. Ah non, c'est une totale yaourt qui voulait absolument rien dire. Hein. Tamiya voulait faire les cœurs, mais il est occupé avec des chiens. C'est qu'il a toujours la bouche pleine avec des chiens. Bah, j'ai fait comme l'autre fois, David, j'ai renversé, mais... Non, franchement, GB, c'est très agréable à écouter. Bravo. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais, sincèrement, ouais. Un live dans un live. Et alors, c'est quoi? Quelle musique? Moi, j'ai pas reconnu. Hein? C'était quoi? Non, c'est une compo. Bah, bravo. Franchement, la classe. Ouais. Merci. Le problème, c'est que je sais pas encore bien parler en anglais, donc du coup, là, c'était n'importe quoi. Hein. C'était pas des... Non, mais écoute, franchement, c'est pas simple. Bravo. Ouais, franchement. Ouais. Moi, j'ai joué de la cacahuète. Je suis désolé. Ouais. C'est ce qui manque sur les lives en arrière-plan, c'est de la musique. Ouais. Ouais, je vais te faire un live tous les soirs, tu veux. Un morceau par soir. Alors, pour info, en ce moment, j'ai vu, c'est la nouvelle mode. Il y a des mecs qui se filment en train de dormir. Donc ils mettent une... Oui, j'ai vu ça. Et regarde s'il n'y a pas des fantômes à côté d'eux. Non, non, non. Donc, ils se filment en live, en train de dormir. Et le but du jeu, c'est les abonnés font des dons, tout ça, pour que ça fasse du bruit, pour essayer de réveiller le mec. Et les mecs arrivent à 2 300 € par mois. Et le mec, il fait semblant de ne pas se réveiller. Il entend c'est ce que j'allais dire. Le fait semblant de ne pas se réveiller. C'est cool. Il y a des trucs tellement cons, mais et puis il y a des cons pour payer. Ouais. Je vous fais un cadeau dans le Discord. GB, je te dois 2 €. Hein. David, il a donné 2 € pour la musique. Ouais. Ah bon? Non, c'est pas moi, c'est Christophe. Christophe, j'ai dit David. Ouais, c'est le début de la célébrité, là. Voilà. Tu verras que c'est... Oublie pas que c'est moi qui t'a donné les 2 premiers €. Ah ouais, je vous dirai avec Christophe. Christophe, regarde ce que j'ai mangé depuis le début du live. Attends, je regarde. T'as mis sur Discord? Ouais. Je suis pas très bien. Pin-up, des cacahuètes. Mais t'as vu le paquet, la grandeur? Ouais, le machin. Et t'es tout seul? T'es tout seul dessus? Ouais, mais je l'ai fini. Tu sais que t'as mangé 744 calories, 14 grammes de... Ah non, même pas pour 30 grammes. Oh la vache. Et t'as pas de cholestérol? Il n'y a que du bon cholestérol. C'est du bon, hein? Ah oui. C'est des bonnes cacahuètes, du bon. Ouais, elles sont frites à la graisse d'oie. Mais non, mais il y a un moment que j'ai le paquet. Mais je l'ai déjà renversé 2 fois par terre. Oh. Je vais pas chercher l'aspirateur, mais ça va faire du bruit. L'autre jour, je réveille ma femme. Il va les manger. Oh, dis donc, c'est les cacahuètes de chez Cop. C'est ça qu'on leur a forgué quand on a fermé les Cop. Moi, je vais embaucher GB pour endormir le chien. C'est la même qu'en France. Ouais, nous, on a fermé les Cop en France et c'est le stock, on vous l'a reforgué. Sébastien, Sébastien, miam, miam. Mais bon, il y a 20 ans qu'on les a fermés, nous, les Cop. Ouais, mais c'est pas la même. Si, si, c'est la même, je reconnais le paquet. Ah ouais, bah c'est la même maintenant. Et alors Sébastien... Oui, mais Arachide marqué dessus. Sébastien Faussaire, c'est quand que tu te la commandes, cette Carola, pour faire du flaming? Il tenait tellement à te faire du flaming qu'il faut qu'il se le fasse. Là, je fais de la pub pour le magasin, ils vont peut-être m'envoyer un paquet gratuit. Ouais, à 100% RC, il peut t'envoyer des blocs de 5 kg de chocolat si tu veux. Ah ouais? Ça va encore rester bloqué en douane, tout ça. Pourquoi m'envoyer des trucs? Avec la Serpent. Ça va prendre droit pour l'arrivée. On a caché des blocs de chocolat dans la carreau. Le chien, il se met à ronfler maintenant. Non, ça va, il est bien. Ça va, alors la musique, c'est bon, a fait effet. Ah, mais ouais. Il fait rien de l'arrivée. GB, tous les lives, tu dois faire de la musique. Ok. Pour endormir le show. Demain, je ferai un live, une musique. Là, moi, j'ai 1 kilo. Non, Sébastien, j'ai pas mangé 1 kilo. C'est un vieux paquet. Et GB, t'enregistres pas tes compos? En fait, j'ai commencé à ado et j'ai jamais fait, parce que je suis un peu timide, tout ça, et j'ai jamais fait de concert ni rien. Puis en fait, là, j'ai commencé, depuis le confinement, en fait, avec un pote, on joue, on s'entraîne justement pour faire des morceaux. Donc après, si ça marche, on enregistrera. Bah, je pense que tu devras enregistrer parce que ce que tu nous as fait là, tout à l'heure, bah, c'était super bien, franchement. On a tous allumé les briquets dans, dans notre salle. Ah, c'est gentil. Enfin, maintenant, c'est les téléphones. On met les téléphones avec les gros problèmes. Tamiya, il a foutu le feu à sa baraque, mais bon. Quoi? Ah, il a brûlé ses étagères. Qui est moi? Si j'ai fait un enregistrement, une fois bien, enfin une musique en, j'ai fait un enregistrement, mais c'est tout. Ça y est, mon iPhone qui me fait une mise à jour maintenant, c'est le moment. Toi. En tout cas, moi j'ai trouvé une carreau à commander chez McAllister. Ah, laquelle alors? Enfin, pour Kyosho Phantom. Kyosho Phantom. Ah, ils ont fait une carrosserie de camion, quoi. Ah, ils ont pas fait que la carrosserie de camion, en plus ils ont fait la carrosserie de camion et la carrosserie de la remorque qui va avec. Ouais, en plus. Moi je vais mettre celle-ci. Bruno, il a pas de briquet alors qu'il a allumé les couvertures chauffantes. Ah bah tu vois, tu me disais que tu faisais pas des concours 100% RC, bah bravo. Épreuve fin de mois. Épreuve fin de mai. Bah écoute, on va tenir les pouces, tu nous tiendras au courant. Ouais, moi je croyais qu'il formait l'apprenti, moi. Ah oui, mais l'apprenti, ça doit être pour le MAF, le meilleur apprenti de France. La MAF? Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. C'est le MOF. Oui, mais l'autre fois, il disait qu'il formait l'apprenti, qu'il entraînait. Ouais, voilà, c'est l'apprenti, c'est le MAF. Ouais, mais c'est la MAF. Non, c'est pas drôle. L'histoire, faut pas arrêter les blagues, c'est pas ça. Mange des cliquets. Ah non, là, ce soir, Tamiya, t'es pas en forme. C'est la fin de la semaine. Tamiya, il part en cacahuète. Ouais, là, Tamiya, c'est trop de cacahuètes. Mais ça à force de regarder les pubs françaises. Tiens, tu vas aller regarder le site à Tony, tiens, l'ancien site à Tony, automodéliste.com. Ah ouais, c'est vrai, ça fait un moment que je n'ai pas tourné, moi, j'y suis pas allé sur ce site. Ah bah moi, c'est pareil, j'y vais plus. Alors, il y a 100% RC qui dit on est tous les deux à l'entraînement par le boss. Ah, ouais, ça. Ouais, mais ça n'a pas été mis à jour depuis 2019. Ouais. Le site automodélisme? Ouais. Et il peut plus être mis à jour. Ah, ok. Non, c'est fini. En fait, il est en ligne à pour consultation et c'est tout. Quoi. Ouais. En fait, il est bloqué en écriture, le forum. Ouais, alors, attends voir, j'ai juste un truc de Venom. Tony, tu resteras jusqu'à la fin de ma vidéo. Petit truc pour toi, mardi à 17h30. Quoi? Venom. C'est un live, non? C'est une vidéo qui va sortir? Mais je sais pas, il va peut-être nous dire, mais vous, un live, je sais pas, mais... Ouais, ouais, trop bien la guitare, là, rien que comme ça, là, on... Trop content, là. Ah, ça va être top. Ça va être sympa. Hein. C'est une vidéo, Tony. Mardi à 17h30. Bah écoute, je sais pas, Tony, tu regarderas. Mardi à 17h30. Plus un abo, Venom. Venom. Moi, je veux pas m'abonner, il y a trop de serpents sur sa chaîne, ça me fait peur. Non, faut s'abonner. Ça fait un échange de bons procédés. Mais ouais, mais j'aime pas les serpents. Après, j'ouvre mon fil d'actualité YouTube, il n'y a que des serpents. Oh, mais arrête. T'as un chien qui te protège. Ah, mais c'est pour ça que tu vas faire mon kit, au fait, Tony. Peur des serpents, fallait me dire, alors. Ouais. Minuit, quoi, moi, je vais... C'est nouveau pas drôle ce que j'ai dit. Ouais. Hein? T'avais dit quelque chose, Tamiya? On t'a pas entendu. Ouais, moi je vais pas répéter parce que je vais m'enfoncer encore plus. Ouais, je pense. En fait, il croit qu'on n'a pas compris sa blague avec la maf, il va la refaire. C'est la Sainte Tamiya aujourd'hui. Non, avec la serpent, ouais. T'as dit que t'as peur des serpents. J'ai dit c'est pour ça que t'oses pas monter mon kit. Ah non, c'est la Sainte Agathe. C'est toujours pas drôle. Non. Et moi je vous dis bonsoir à tous. Tu parles vraiment David? Bonsoir David. Ouais, salut David. Bonne soirée David. Bonne soirée. Bonne semaine. Voilà. Bonne nuit. Et bonne nuit à Jeff66. Bon, et bonne nuit à tous. Bonne nuit aux dates. Et je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Tony RC. Hein, David, t'as pas reçu le colis? Non, il est encore, il est du côté de Lille. Bon, il y aura une mise à jour cette nuit, il sera peut-être par là. Mais non, mais c'est bizarre, c'est que Christophe, il l'a reçu, je les ai envoyés en même temps. Ouais, mais tu sais, des fois. Hein. Ah, ça a été nécessaire. Ah, Christophe, tu sors. Achète-toi un téléphone. Ça, le pauvre. Chaque fois dans tous les lives. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, David. Salut, David. Bonne nuit. Salut, David. Ça y est, j'ai acheté un téléphone. Ouais, ça a été rapide. Hein. Putain, tu commences à avoir le coup. Christophe, quand ça t'arrive, mon chien, il se réveille. Oh, merde. Mais pourquoi ça t'arrive, toi, Christophe, ce truc-là? C'est Tamiya qui m'a envoyé des mauvaises ondes et depuis, bah, je suis niqué. D'après Tamiya, c'est parce qu'il n'a pas d'iPhone. Et moi, je lui ai envoyé un micro qui déconne de temps en temps. Ouais, il m'a envoyé un micro. Non, mais et quand je suis par mon téléphone, mais avec un casque, ça arrive pas. Et quand je suis au haut-parleur avec mon téléphone, ça saute à un moment donné. Ouais. J'ai mis au haut-parleur, donc je verrai bien si ça saute aussi. Grave, ça capte. Ne sois pas désagréable, 100% RC. Alors, et à Sylvain, insulte à la station. Pardon, on parle un peu de moi, un tout petit peu de moi. Tony, suite à ta superbe présentation de la Serpent, oui. Est-ce que l'extracteur a un effet sur la tenue de route? C'est Sylvain qui dit ça. Bah, on ne sait pas parce que je ne l'ai pas testé et j'ai jamais roulé avec cette voiture. J'ai juste eu le droit de la monter et de la renvoyer. Voilà. Donc, je suis triste. Tony. Oh bah, hey. C'est vrai que quand tu montes une voiture et que tu peux pas l'essayer, c'est un peu frustrant. Hein. C'est un peu comme une femme. Non, excusez-moi de la comparaison. Tony, sors, Tony. Il est chaud aujourd'hui. Excusez-moi, je me suis trompé de comparaison. Enfin, vous m'avez compris. Hein, voilà. Mais je crois que Tony, par contre, où il y a une petite rectification, en fait, c'est le diffuseur, il est à l'avant puis pas à l'arrière, par rapport à ce qu'on a vu l'autre soir. Sur la piste? Oui. T'es sûr de toi? Enfin, c'est le spoiler avant, quoi, seulement. Qui assez... En fait, ce que tu avais montré. Ah bon? Ben, j'ai vu les photos, puis je sais pas, il me semblait que c'était pas. T'avais pris un apéro? Quoi? T'avais pris un apéro? Je pense que c'est l'arrière, ouais. T'as encore abusé de l'apéro, je dis? Non, ça y est, c'est ma corata. Quoi, ta mère, tu as fumé? J'ai rien fumé, Sylvain. S'il vous plaît. Non. Non, mais alors pour répondre complètement à Sylvain, je pense que ça doit quasiment pas avoir d'effet. Je pense pas. Moi aussi, ça doit faire. Tu penses pas que ça fasse l'effet? Moi, je pense pas. Et si vous me suivez, il fume les trous du gruyère. Eh, tu sors Stéphane. Micro-accro. Ça rime en plus. Accro, tu dis que ton micro, on t'entend pas bien, Tony. C'est pas moi cette fois. Ah bon? Bah, je vais essayer de parler plus fort parce que je crois que. J'ose pas. Non, mais c'est pour le chien accro. J'ose pas me lever de peur de réveiller le chien. Dès que je bouge de la. Bon, moi, ça va, je t'entends bien. Oui, mais dans Discord, des fois, on n'entend pas la même chose que sur YouTube. Ah, peut-être. Tout dépend de en quelle langue, quoi. Bon, je peux déjà vous annoncer que la carrosse sera absolument pas finie ce soir. T'as déjà réussi à faire une KO en une soirée? Oui, la mienne. C'est impossible de faire une soirée. T'as pas fait une soirée la tienne. Comment? Bah non. Ben non, il a rigolé, ça c'était du. Enfin, pour... Bah Anthony, si t'avais que la mini, si t'avais que la petite mini Z à faire, je crois que là en une soirée tu l'aurais. Non, la mini Z, j'y ai passé 2 soirées. Ouais, parce que ouais, mais c'est parce que t'avais d'autres carreaux aussi à faire aussi. Par contre, je réfléchis, est-ce qu'il y a déjà des carreaux que j'ai fait en une soirée? Pas possible en une soirée. Je crois pas, non. Non, je crois que ça m'est encore jamais arrivé. Non, mais c'est pas possible, peu importe la taille. C'est possible si tu fais, à part si tu fais une couleur sur un truc. Je crois que même une Tamiya, tu la fais unie, puis après tu mets tous les stickers, t'en as pour 2 jours. Mais non, je roule pas en marche arrière. Bah, la prochaine fois, en fait, faut envoyer à Tony 50 000 stickers dessus à coller. Il va mettre 4 soirées. Ah, mais... Ah ouais, Christophe, il y a Bruno qui dit Christophe qu'il a des goûts simples pour les décos de carreaux, tu vois Christophe. C'est pour ça qu'il a fait vite. Après, c'est pour ça que dans mon tarif, j'ai fait un tarif variable. J'ai marqué... Un tarif stickers. Carreau, non mais j'avais appelé carreau rapide, maintenant je l'ai appelé, c'est le tarif le moins cher. J'ai appelé ça carreau monochromatique. Ouais. Mais Tony, sincèrement, tu reçois une carreau Tamiya, par exemple, une couleur, mais tu dois mettre tous les stickers, t'en as pour un moment. Hein. Ouais, mais la peinture et la préparation de la peinture en soi m'auront pris beaucoup moins de temps qu'une carreau où il y a plein de trucs, soit ici, là c'est des trucs à dessiner, ou des masques à dessiner et à couper au cutter, tu vois. Je peux pas demander le même tarif sur une carreau où je passe moins de temps de prépa et peindre. Après les autres clients... Ça, c'est un autre point, tu es d'accord, on est d'accord que Tamiya, quand tu achètes ton camion, tu achètes tes 2-3 bombes de peinture, après tu en as pour 3 heures à mettre tes autocollants. Enfin, tu n'en as pas pour autant de temps à mettre tes autocollants quand même. Alors, mais en moyenne, tu mets combien de temps? Tu mets 2, au moins 3, non? 3 soirées? Non, 2 soirs. Oui, je sais, à 100% que c'est une fois bien devant les stickers. 2 soirs. 2 soirs. Mais je alors, il y a Sylvain qui te demande, Tony, tu es sûr que tu ne souhaites plus faire des carreaux comme celle de David? Celle de David ou celle de Christophe? Celle de David. Celle de David, il me faut 2 soirs. Celle de Christophe, il m'a fallu 3 soirs ou 4 soirs, je ne sais plus, 3 soirs. Oui. Non, en fait, et encore ce que vous voyez, pas tout n'est pas en live. Hein. Ouais, celle de Christophe, c'est impressionnant. Hein. Ouais, bah, elle est devant moi, là, me regarde. Alors, est-ce que là, tu vas peux faire mettre, comme... Tu peux le mettre bien au chaud. Celle-là, tu vas pas la conduire, tu vas jamais la... Celle-là, elle est au chaud, là. Bah, j'en fais faire une deuxième, là, par Tony. Ouais, mais tu devais en faire une moche, la deuxième. Ah? Tu devais en faire une moche et moins chère. Non, bah celle que je t'ai montrée, que je t'ai déjà payée et tout, même d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Hein, t'as vu? Et la deuxième, je pense qu'elle va être aussi belle, je vais être obligé d'en faire une troisième. Bah, mais. Tu vas jamais la sortir, Christophe, là. Christophe. Oui, de temps en temps. Oui, t'as mis là. La prochaine, tu l'envoies faire chez Rémi. Oh, Rémi, t'as vu, ils sont méchants avec toi. Hein. Ah non, mais il y a de quoi, Rémi, il y avait combien de trous de supports de carreaux dans ta carreau? Non, je sais pas. Rémi, excuse-moi, Rémi. Oh, ça va. Ah non, mais... Moi, j'adapte toutes mes carrosseries pour chaque châssis. Il n'y a pas une carrosserie qui a son châssis. En fait, sa carrosserie, elle peut aller sur 40 voitures. Wow. Il y a des trous de partout. C'est quand ton anniversaire, Rémi? C'est une carrosserie hybride. Le 25 mai. D'accord. En tout cas, pour deviner mon âge, c'est assez facile. Hein. Tu auras 21, 25 mai. T'auras 26, c'est ça? Bah ouais, on est en 2021, je dois avoir 21. Ah, c'est pas mal pour calculer ton âge. C'est pratique. Ah, c'est clair. En 2040, j'aurai 40. Faut que t'arrives à 2100. Hein. Oh putain. Ouais, t'es un gosse de 1999 alors. Hein? T'es un gosse de 1999 alors. Ouais. Bonsoir Electron. Du 59. Electron 59. Encore un 59. Bonsoir Electron 59. Il y a Bruno qui dit qu'on connaît rien à l'art du 59. Bonne nuit Manu. Bonne nuit Manu. Bonne nuit Manu. Bonne nuit. Bon hélico. Ah, j'en ai partout. Je suis désolé, hein, c'est là où je me décache. Pour les arabesques transparentes, vous devez rien voir du tout en caméra. Je suis désolé. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est à peu près ici. C'est vrai qu'après les Suisses, il y a une invasion de ch'tis ce soir. On est pas mal de maritimes et de... Il arrive avec les arabesques. Ouais, c'est la merde, ah ouais. C'est la merde. Bah, j'aurais dû te dire faire une bande, tant pis. Oui, Bruno, j'ai mis une housse d'ailleurs là. Sinon, yeah. Tu sais, Tony, tu mets juste le début en arabesque, puis après tu fais une ligne blanche si tu veux. Ça m'ira très bien, hein, parce que sinon ça va être galère. Hein. Bah, par contre, dans la vidéo, tu dis à la fin, je veux que ça s'affine l'arabesque sur les côtés. Il vaut mieux que je la fasse pas à cet endroit-là. En fait, là, j'ai mis de l'arabesque jusque là, ouais. Mais ici, c'est tellement fin sur cette zone-là que, ouais. Que au-dessus de l'aile, bah, tu feras juste une ligne blanche si tu veux. Je vais essayer. Si tu peux. Je vais essayer. Ok. Ça, et à 100% RC, qui te demande si les poches sont à BT Design avec des bandes Tamiya, ça va pas faire un rendu dégueulasse. Non, il faut pas faire ça, tu vas foutre en l'air tes pochoirs BT Design. Les pochoirs BT, c'est plutôt pour peindre avec de l'aérographe, parce que la bombe, tu pourras pas nettoyer, ou alors tu vas devoir utiliser des solvants, et tu vas foutre en l'air tes pochoirs. Bonne nuit à Daniel qui s'en va se coucher, il est minuit. Bonne nuit Daniel. Bonne nuit Daniel. Bonne nuit Daniel. Daniel. Bonne nuit Daniel. Ah non, c'est pas Christophe, je croyais Christophe. Non, je suis encore un peu là. Putain, j'arrive pas à le déballer. Putain, il y a des gens qui me demandent en Facebook en ami, je les connais pas. Bah tu regardes qui t'as en ami en commun. Moi je regarde si j'ai des amis communs avec eux et s'ils sont français. Ouais, j'en ai un, mais. Et si c'est pas une blonde à forte poitrine. Non, maintenant je sais ce que je fais. Hein. Je fais en sorte pour que ce soit des amis non français et non français. Parce que. Moi, il y a beaucoup de Chinois qui m'ajoutent parce qu'ils se disent qu'ils doivent avoir du business à faire avec moi, tu sais, pour ma chaîne. Ouais. Et puis des fois, j'en ai ajouté qui me disent hey, bonjour, mon tournevis il t'intéresse, je peux le personnaliser au nom de ta chaîne. Ah, ouais, ça m'intéresse. Ben, si tu le veux, je te le fais à 5 $, mais tu dois m'en acheter 5000. Ok, bah non. Oula. Ah ouais. C'est pas cher. C'est pas cher, 5000. C'est pas cher. Et du coup, après, je fais bah, pas cher, pas cher. Et puis, hop, supprimer des amis. Voilà. Et ça, en fait, il y en a plein qui... des Chinois qui font ça. Puis en plus, au risque de pas être livré un jour ou l'autre, quoi. Mmh. C'est clair. Ah, je vais vous vendre 5000 tournevis Tony RC, super. Mmh. J'en vends maximum 15 en vous forçant. Et puis après, il va m'en rester 4080. Mmh. Ah, mais pour les 2000 abonnés. Ouais, ouais. 5000 fois 5 $, je te fais le calcul. Mmh. Oh, Christophe. Christophe, au lieu de t'acheter des hauts barreaux, tu ferais mieux t'acheter un téléphone. Tony, sur ta perceuse Parkside, là, tu sais, tu mets le... Ouais, l'embout. J'ai entendu Tamiya dire une méchanceté encore une fois. C'était pas méchant. Si, j'entends un truc très méchant. Non, t'as pas bien compris, là. Et donc, Guy? Ouais, tu mets l'embout, tu sais, pour visser, dévisser, tu t'achètes ça où? Le grand... Tu l'as acheté ça où? Bah, chez Lidl. Il t'est livré avec le... parce que moi, j'avais acheté la... Bah, comme toi, là, la même, un peu pareil. D'ailleurs, j'ai vu dans ton live que j'ai remarqué que c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'on pouvait enlever le... Le mandrin. Le mandrin, je savais même pas. Je vissais avec direct avec le truc, avec le mandrin. Et mais du coup, oui, il n'y a pas le. Moi, il n'y avait pas le. Espèce de tige, tu sais, pour visser, dévisser. Ah non, mais par contre, bah, ça, c'est des trucs que j'avais déjà. Mais par contre, ils vendent un petit kit chez Lidl qui doit coûter 5 à 7 euros où il y a l'embout, la rallonge et plein d'embouts différents. Parce que j'ai en acheté un avec des petits embouts là. Ouais. Il n'y a pas le truc long comme ça, c'est plus pratique. Ah oui, complètement. Moi je te dis, j'ai acheté. Attends, je vais regarder. Je te dis, j'ose pas trop bouger à cause du chien, mais. Ouais, moi laisse tomber, enfin, on en montrera une autre fois. Oui, rien d'urgent. Sur le prochain live. Regarde, j'ai acheté ça. Celui-là, je l'ai pas encore ouvert, parce que... mais je l'ai acheté parce que c'était intéressant. Donc je te le montre. Dans celui-ci, t'as un embout avec rallonge et fixation avec une sécurité. Tu vois là. Voilà. Et donc ça, c'est la marque Parkside. Et ouais. T'as des embouts cruciformes, et puis deux plats et 4 cruciformes différents. Et puis tous les embouts à douille. Mais t'as pas la petite rallonge qui fait... Si, si. C'est ça, à gauche. Là, ah ouais. C'est parce que moi j'en ai plein de sortes, hein. Mais bah, tu sais, ça, ce truc là, ce paquet là, en plus il fournit avec une pochette, mais je sais pas, il coûtait moins de 5 euros ce truc là. Et ouais. Bah, moi j'ai toujours à Lidl aussi. Hein. Ah non, mais c'est pas cher, mais ça va, c'est pas de la merde non plus. Voilà. Ouais, c'est bonne qualité, hein, par rapport au. C'est moins cher que le Roi Merlin. J'ai le Roi Merlin à côté, je vois la différence entre les deux. Hein. En voilà. Premier prix. Hein. J'en ai un. Et puis après, il y aura le capot. Bon, désolé, comme vous pouvez voir, hein, c'est vrai qu'il y en a qui doivent se dire, ah, moi je viens pour voir de la peinture. Et puis en fait, le problème en peinture, c'est qu'il y a beaucoup, en carrosserie, il y a beaucoup de temps de préparation. Ah, c'est sûr, hein, c'est du boulot. Qu'est-ce que tu fais comme truc, Rémi? Non, mais Bruno, il disait, tu as fumé les joggeuses dimanche. Ah. Et du coup, je réponds, ce serait une surprise. Vers le milieu, hein, sinon ça va être trop long. Bah, tu fais 1000 vues si tu marques joggeuse plus RC, plus bâche. Et en miniature, si tu veux, tu me la confies, je vais te la faire, ta miniature. Tu vas voir. De quoi? La miniature. Tu sais, c'est la petite vignette qu'on fait dans Photoshop pour faire venir les spectateurs. Ouais. Donc il y a un terme, hein, sur YouTube, on appelle ça faire une miniature putaclic. Donc putaclic, tu connais le mot? Ouais, plus ou moins, ouais. Putaclic, c'est... ouais, ça veut dire un peu... ouais. Voilà. Aguicheur. Voilà. Il y a un mec qui fait des vidéos, là, je sais pas si vous avez déjà vu Spina RC Speed, c'est la chaîne YouTube. Si, oui. Et bah, oui. Il a fait une vignette une fois putaclic avec une femme avec des gros seins et voilà. Et en fait, ouais. Tu regardes sa vidéo entièrement, puis la fille, tu la vois pas. Ah ouais, d'accord. C'est ça, ça. Ah ouais, bah, j'ai déjà vu un truc comme ça. Je sais plus, je crois que ça doit être Talbot, je crois, qui avait fait un truc comme ça, mais il avait montré une photo, pas sur ça, mais une photo d'image de RC. Et au final, bah, tu la vois pas dans la vidéo. En fait, on dit putaclic, c'est quand la vignette, elle est trompeuse. Voilà. Ouais. D'accord. Et par contre, très aguicheuse, ça te donne envie de regarder. Ou par exemple, le mec, il va te faire croire que il va marquer World Record, le saut à 300 mètres. Et puis en fait, il fait un saut de 4 mètres. Ça saute à mètre. Voilà. Mais en fait, ouais, ça marche une fois, mais après, il regarde plus les gens, non? Bah, même si le gars il le fait deux fois, moi c'est le genre de truc où je me désabonne direct. Hein, tu vois. Ouais, voilà. Mais bah, T'as énormément de gens, de jeunes qui ont fait ça sur YouTube pour faire des clips. Bonne nuit Seb. Ouais. Bonne nuit Sébastien. Bonne nuit Sébastien. C'est de l'éphémère quoi. Ça. Bonne nuit. Bruno, la miniature joggeuse, chien de Tony. Terrible. Une blonde à très forte poitrine, enfin en tout cas avec un décolleté, et qui met la tête du chien entre la poitrine pour essayer de l'endormir. Voilà. Vas-y Tony, on fait un screenshot et puis on te modifie avec Photoshop avec ton chien, tout ça. Et le titre, c'est comment j'ai endormi le chien. Ah ouais, Bumblebee, tu dors? Pardon. Tu dis rien. Il écoute nos conneries. Non, non, il écoute pas, il colle ses pneus. Tu fais quoi, Bumblebee? Je fais des emplettes. Ah, j'étais sûr. J'étais sûr. T'as trouvé ton combo? Non, non, je vais attendre. Écoutez vos bêtises. Bah, tu fais des emplettes de quoi? Les bêtises de Tamiya. Nous, on dit pas de bêtises. Bon, ça va, je n'ai pas tellement dit ça. Ah, ça va. Sarma, c'est les cacahuètes qui t'ont calmé. Non, non, je regarde les Truggy. Encore? Mais tu viens d'en acheter un. T'as un TLR là que tu viens d'acheter? Ouais. Je l'ai pas encore ouvert. Ah ouais? Non, punaise. Non, non. Tu me l'envoies, je vais te le monter. Ouais, mais il a dit que c'était qu'il prenait plaisir à le faire, lui. Ah, mais Tony, il est en manque de Truggy. Ouais. Ouais, mais. Mais non, il va avoir un petit assaut là, non? Ouais. Ouais. Sébastien. Et le pauvre Sébastien Français. On sait pas. Ah, tu sais, Christophe, que ça a pas bougé. Hein. Les palettes sont toujours bloquées à la douane. Hein. Là, faut refuser. En ce moment, vaut mieux éviter d'acheter en Angleterre ou attendre un moment. Tu vois, je t'ai dit que j'avais commandé en Angleterre, moi, des pièces. Ouais. Ils viennent sûrement de partir. Ils ont des papiers, ouais. Ils ont plus de papiers à préparer hein, maintenant. Ouais. Ça fait un mois que j'attends mes pièces. Bah. Ouais. Elles sont pas encore arrivées. Hein. Et toi, c'est pour du lozi? Oui. C'est quoi lozi? C'est une marque apparemment. Ouais. Du RC. Ça me parle pas comme ça. C'est un peu mieux que X-Ray, mais je connais pas trop. Lozi, c'est connu lozi. Ouais, d'accord. Ah, okay. Histoire 2. Hein. Bon, j'ai fini les arabesques sur les côtés. C'était une série arabesque, non? Ouais, c'est des enquêtes, c'est ça ouais. Je crois bien. C'est vieux, c'est un... Ouais, c'est un truc pour les vieux. Ouais, je crois. Pas pour les vieux, moi je regardais des fois. Ah, c'est suisse. C'est pas suisse? Non, suisse. Nous, ça a aidé. Qui c'est qui a mis son sang? C'est moi qui gagne maintenant. Pas fait gaffe, Tony. Bah, tu le mets aussi devant le capot aussi. Ouais, mais je sais pas. Si... Je vais essayer là, mais c'est tellement fin que ça risque de tout s'arracher comme sur les côtés. Il y a énormément de petites arabesques qui se sont arrachées, tu sais. Ouais, ouais, c'est tombé. Et du coup, j'étais sur le point de tout arrêter tout à l'heure, puis de les mettre, comme j'ai fait la guitare, de les faire à la main, tu vois. Le problème, c'est que. Bah, c'est que je dois le faire au stylo et ça risque de pas être beau. Quoi. Mais ouais, là je l'ai fait, mais c'est raté. Je le redécoupe par endroit. Ouais, c'est un peu compliqué ce que je t'ai demandé, je crois. Ouais, c'est impossible pour vous de savoir quel est. Souvent les gens ils n'arrivent pas à imaginer la complexité. Il n'y a que quand tu essayes d'en faire toi-même que tu vois la complexité en fait. Ouais. Non, mais j'aurais dû te dire faire des bandes en fait. Juste une bande, ça aurait été plus simple. Merci Sylvain. le connais arabesque. Ouais, j'ai eu regardé, mais je ne l'ai plus maintenant, celui-là. T'aurais pu dessiner une corde à la place de la guitare, non? T'as fait une belle de corde. Ah, c'est dur de dessiner une guitare. Hein. Bah là, elle est super bien réussie, hein, une guitare. Ouais. Oh, elle fait dessin, quoi, dessin à la main, quoi. Ouais, mais j'adore, moi. Christophe, t'as mangé quoi là? Ça fait plus artisanal, moi, j'aime bien. J'ai rien compris. T'as dit quoi? T'as mangé quoi, de la soupe? Non, crudité ce soir. Il y a quelqu'un qui a son YouTube ouvert. Ouais, ça résonne. Bonne nuit, Christophe. C'est GERFS 66. GERFS, ton YouTube. Ouais, non, c'est pas mon YouTube. Je pense que c'est mon micro qui est trop sensible. Ah, comme moi. Moi aussi, mon micro est trop sensible des fois. Oh, votre micro, il pleure. Moi, j'ai un micro nerveux. T'as un micro Dark Vador. C'était sponsorisé par Disney. Et là, ça va mieux en fait, Christophe. Là, t'avais sciatique là, anti-inflammatoire, donc ça te défonce l'estomac. Ouais, merde. Il faut prendre du pantosol. Oh, je sais pas ce que j'ai pris là, le médecin m'a donné, mais pour l'estomac. Donc, je vais essayer de courir un petit peu demain pour voir. Ah bah, fais gaffe, hein, c'est une sciatique, quoi, doucement. Bah, c'est tout le mal de dos, et le mal de dos, à un moment donné, va dans la jambe, si des fois. Ouais, et plus mon épaule. Ouais. Mais là, je vais commencer à m'ankyloser. Je faisais beaucoup de sport et je trouve plus rien. Donc, essaye de. Bah, moi, je suis comme toi. Enfin, moi, j'adore courir. Hein. Mais si tu peux, c'est plutôt le vélo, si t'aimes bien le vélo. Ouais. Vraiment... ouais, bah, je vais en faire là. Bah, ce week-end, je dépends le temps. J'ai racheté un carbone là. Ouais. Un vélo de course carbone, et puis j'en fais avec les potes. On fait des sorties de. Là, je recommence tout doucement, donc je fais des sorties de 70 km à peu près. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et je recommence. Et les riches, mais le gros carbone en carbone. Vaut mieux que tu fasses le vélo, hein, parce que avec les chocs, quand tu vas courir, si ton dos. J'aimais bien faire du trail, faire du bitume. Je fais souvent le long de la plage, comme j'habite à côté de la mer. Ouais. Et puis bitume, le long des falaises, des trottas, tout ça, ou dans les forêts, c'est vachement bien. Mais ouais, va plutôt en forêt. Ouais. Parce que bitume, c'est ce qu'il dit. Ouais, mais que je fasse bitume. Bah, j'ai pas mal quand je cours. Hein. C'est lendemain ou après-demain, des douleurs et j'ai le dos en S, toi. Ouais. Bah, j'ai trop forcé dessus, toi. Donc, ouais, c'est ça, en général, c'est quand tu fais. Et Christophe, tu cours une journée avant. Tu cours une journée avant. Hein? Hein? Tu cours une journée avant, comme ça le lendemain t'auras pas mal. Ouais. T'as un vélo de course en carbone, Christophe? Ouais, j'en ai racheté un là. Un track. C'est des fortunes, ces machins. Ah, mais il a mis un moteur RC brushless dans le pignon. Non, non. Mon père, il a transformé son vélo de course avec un moteur de démarreur d'avion. Ouais. Mais non, le seul moteur que j'ai, c'est des jambes. Ah, moi, j'ai fait du tapis aujourd'hui, 5 km. C'est bien. Ouais. Ouais, j'ai couru en forêt là. Ah ouais. Non, moi je tourne en rond sur mon tapis aussi, ça m'arrive. Ah non, moi sur le mien, je vais tout droit. Ou tu manges des cacahuètes sur ta chaise. Non, non, pas que ça. Bon, ça va. Là. Tamiya, il tourne en rond sur le tapis, il s'allonge sur le tapis, c'est le tapis qui roule. Ouais. En plus, en Suisse, il y a plein de super trucs simples. Enfin, c'est super joli, tu vas avoir plein de coins. Ah, en Suisse, pour galoper, faire du vélo, tout ça, c'est super. Ouais. D'accord, ouais, monsieur Laloute nous dit colis de UK, suffit de gueuler. T'as reçu ton colis, alors Stéphane Roséo. Ouais, il dit qu'il a gueulé. UK, c'est Ukraine. Non, c'est United Kingdom. Non, c'est pas l'Ukraine. C'est l'Angleterre. United Kingdom. Bon, bah, il faudrait que je me remette à... la géographie, mon ami. Voilà. C'est quoi le grand F? Ah, mais Stéphane, les colis qui viennent du UK, ouais, ils viennent d'Angleterre, c'est parce qu'ils ont été commandés après. Enfin, après le 15 janvier, mais tous ceux qui ont été commandés avant le 15 janvier, c'est eux qui posent le problème. Ah ouais. Là, il y a les profs, ils gueulent, là, ils ont commandé des livres en Angleterre, c'est pareil, ils sont dans la merde aussi. Et puis ça reste de durée, hein, du coup. Non, non, mais ça va, c'était le temps que ça régule au départ, ils en ont fait exprès, ils ont tout bloqué depuis le 15 décembre jusqu'au à peu près 15 janvier, tout était bloqué. Et là, ça va mieux, du coup quand tu... À partir de maintenant, oui, maintenant, ils traitent ce qui était en retard et ceux qui sont là, ça passe maintenant. D'accord. Enfin, nous, notre colis, on l'a commandé avant Noël. Et il est toujours pas là. Ouais. Bah non, mais justement, c'est ceux qui sont bloqués, c'est ceux qui étaient commandés avant Noël, avant le 15 janvier, c'était le bordel. Et en fait, c'est-à-dire que maintenant, si tu commandes, par contre, c'est bon? C'est Aiguin et CML, là, les deux distributeurs. Ils ont plus de 6 grosses palettes bloquées. Wow. Du coup, bah, les papiers étant pas les mêmes avant le 1er janvier et qu'après le 1er janvier, bah voilà, ils les ont bloqués exprès. Ah bah oui, d'accord, ouais, je comprends mieux. Ils se sont dit, ils vont vouloir nous baiser, ils vont tous commander avant le 1er janvier pour pas avoir les taxes machin. Sauf que, bah non, ils en ont fait exprès, ils sont tout bloqués. En plus, franchement, quand on l'a commandé, on pensait même pas à ça. Toi, tu pensais pas à ça, mais ouais. Y en a plein qui ont pensé à ça et ont commandé avant le premier. Ouais. Il y a un Electron qui te demande, as-tu déjà fait un cadre de vélo carbone à l'aéro? Jamais, jamais, jamais. Mais ce serait une belle expérience. Ça te dit, Tony? Tu me fais peur, toi. Ouais, non, parce que je dois repeindre mon carbone, justement. C'est vrai? Ouais, parce que là, j'ai été voir un spécialiste sur YouTube, un youtubeur aussi, qui est comme toi, mais pour vélo. Et on n'a pas parlé prix encore, mais j'en voulais une belle peinture pour mon trek. Bah, Ben Bikes, c'est un spécialiste du vélo? Hein? Ben Bikes, c'est un spécialiste du vélo. Je sais pas. Je suis pas. Bah, Sherman, tu verrais les vélos qu'il a. Il a des super vélos. Hein. Oui, peut-être. Ah, il a des vélos vintage et tout ça. Il fait des super peintures sur les vélos. Il est où celui-là? Bah, Ben Bikes, qui est du Havre. Oh, peut-être, ça va, ça me dit quelque chose, je crois. Ah oui, c'est celui qui est avec nous dans le chat tout le temps. Celui qui fait les têtes de mort. Ah, ouais, d'accord. Oui, oui, d'accord. J'y étais pas. Là, ça tombe bien, j'ai un Cannondale à repeindre. Je sais pas ce que c'est un Cannondale, mais... Un Cannondale, c'est un vélo de course. Quoi? C'est un vélo de course. Le Cannondale, il a toujours la dalle. C'est un alu ou un carbone, Electron 59? Ça a l'air d'être en carbone, parce qu'il demandait à Tony s'il pouvait repeindre sur le carbone. Ouais. Ouais, il va répondre, je pense. Bon, en tout cas, salut Farid. Le chien il dort. Salut Farid. Salut Electron. Moi j'avais déjà dit. Ouais. Un Super 6 Evo. Carbone. Il y en a-tu qui connaissent la BT Design Force pour buggy, la carreau? La BT Design Force, non, ça me dit rien. C'est pourquoi? Quelle voiture? Merci, RC Mod Racing. Un buggy, un 8. Merci, RC Mod Racing. Big up à vous, à tout le groupe. Merci, j'avais pas vu que t'étais là. Salut RC Mod Racing. Il faudrait que j'ai une voiture pour le prochain rassemblement de RC Mod Racing à Villeneuve d'Ascq. Bah d'ici là, t'auras peut-être une la Serpent. Non mais c'est des boss là. Je vais pas aller rouler avec ta voiture sur des boss. Bonne nuit, monsieur Lalotte. Déjà, faut qu'il puisse passer la frontière. Allez à l'autre. Arrêtez voir avec cette frontière. Donc là, j'ai regardé un gros débat là, c'était chez Hanouna là ce soir. Hanouna. Ça fait un bail que je regarde plus. Ouais, mais je suis tombé dessus, puis bien sûr, ça parlait de Covid. Non. Enfin, il n'y a pas une chaîne qui en parle pas, tu vas me dire. Mmh. Ouais. C'est clair. C'est sûr. Bon, alors, lui, pour Electron, pour tout te dire, j'ai teinté à la bombe, c'est pas terrible. Bon, l'arabesque du capot est mise aussi. Ah bah Electron, il vous demande où vous tournez. Lui, il a des flancs de Côte d'Inquiète. Ah, Christophe, jette un coup d'œil sur le Discord. Vous êtes loin des flancs de Dunkerque? Moi, je suis à 55 minutes de Dunkerque. J'ai rien compris. Oh. Moi, pratiquement une heure de Dunkerque. Bah ouais, ils sont un peu plus loin, Electron. Tony est de Tourcoing, et moi, je suis dans... Limite dans le Douaisis, voire Valenciennes, en fait. Tu sais pas où t'es, Rémi, en fait? Bah, moi c'est un petit village de campagne, donc je saurais pas vraiment me dire et si c'est dans le Douaisis, dans le Valenciennes, dans l'Avenois, j'en sais rien en fait. Enfin, dans la Mandinois, dans la Mandinois. T'es en France, quoi. En France. Ouais, voilà. Ouais. Rémi. T'as une écrème. T'as le rhume, Rémi? Ouais, je sais pas, je parle un peu de nez, un peu du nez. Mais sinon, non, j'ai pas de rhume. Tu prends pas froid dans ton atelier? Non. Bon, non, avec mon sèche-linge à côté. Je vais pas le faire à la ouais, ça va, là, je suis sorti de l'atelier, là, je n'ai marre de bricoler. Je vais le faire au pinceau. Moi, c'est... Ouh là, je vais pas lire. Louberg. Louberg dans la brousse. Avec même plus un magasin de modélisme à Dunkerque. Bon, il y avait un magasin de modélisme sur Dunkerque. Bah, apparemment, ouais. Je sais qu'il y a des clubs sur Dunkerque. Et question GB. Oui. La guitare, je la fais... Là, elle est en filet noir. Tu voulais que je la remplisse d'une certaine couleur ou plutôt... ou tu la voyais plutôt transparente avec le bleu? Ah ouais, enfin, si tu voulais dire... Enfin, tu voudrais mettre le bleu... Que la table soit en bleu de la guitare, c'est ça? Bah, c'est pour savoir si je mettais l'intérieur de la guitare avec une couleur ou si je la faisais transparente, en fait. Donc bleu. Bleu bonne question, je sais pas, qu'est-ce qui rendrait le mieux d'après toi? Bah là en illustration simple comme ça, elle rendrait pareil sur du bleu, tu vois, transparent. Après on peut la remplir d'une autre couleur, mais là elle va vraiment trancher à l'arrière, tu vois ce que je veux dire? Elle va vraiment fortement trancher. Ouais. Trancher, ah ouais. C'est une bonne question. Bah j'ai pas connu ces magasins là, mon Electron. On fait un vote on fait un vote s'ils veulent. Non, faut pas faire de vote parce que ça va être compliqué sans faire des. Ça va être compliqué. Bah je sais pas. Fais ce que comme tu le sens, Tony. Il y en a qui dit couleur Sunburst. Sunburst c'est mon orange clair fluo. Ouais. Je crois que GB il est pas très tout ce qui est fluo les gars. Bon, elle t'a plu alors ta désert buggy que je t'ai faite? Ouais, trop bien. Super. Ouais. Bon, je commence à peindre le blanc, les gars. Donc, Ouais. Quoi, ouais, j'ai pu tester Tony en roulant la semaine dernière. Ouais. J'étais content. Enfin, sur le bitume, parce que vu le temps qu'on a. Oui. Je voulais pas la nettoyer. Hein. Moi, je roule pas dans ces conditions-là. Ouais, c'est vrai, ouais. Avec les carreaux à Tony, on n'ose pas rouler. Non, j'ai. Bah, quand c'est comme ça, à ce temps-là, ouais, je fais que sur le bitume et puis. Puis voilà. Ouais, mais tu sais, dit quand même. Nous, aussi, on a eu un petit soleil. On a eu un petit coup de soleil ce matin, ça a bien roulé. Hein. Ouais. Un petit coup de rafale juste derrière et impeccable, c'était tout propre. Ah, c'est clair. On a carrément un coup de compresseur. Non, bah là, tu vois, j'avais fait rouler juste sur le bitume sur la route, là. Elle était propre après. Hein. Peut-être une solution pour tes arceaux, enfin pour tes protèges, comment, carreaux. Mais... Ouais, bah alors du coup, bah, je l'avais envoyé à Tony. Et ouais, j'ai mis, j'ai pris les essuie-glaces là, des vieux essuie-glaces. Et non, j'ai mis du scotch double face. J'ai mis directement dessus, puis c'est nickel en fait. Je pense que ça va tenir, mais en plus le scotch double face, il est pas mal, il était un peu en mousse, une petite épaisseur, et bah c'est nickel. Ouais, parce que je te parle des Traxas, parce qu'ils font des pour leurs carreaux, tu vois, des trucs en plastique pour mettre sur le toit. Ouais. Mais, des arceaux. Non, non, sur le toit, sur la carreau, pour protéger, pour les quand tu retournes sur le toit, pour griffer le Lexan. Bah là, j'ai mis trois bandes en fait sur le toit. Et en plus, en fait, le noir, ça rend bien parce que ça fait la. Comme derrière, j'ai mis du noir, en fait, ça rend bien quoi. J'avais peur que ça fasse un peu, enfin pas terrible, mais en fait. Bon, ça rend bien, je comprends. Puis ça protège. Surtout. Tony, une petite question sur la mienne, t'as mis du vernis à l'intérieur? Ouais, pourquoi? Tu l'as déjà griffé? Non, mais quand je découpe, non, mais quand j'ai découpé les roues sur les essais sur les roues, l'aventure sans les vides. Ouais. Et pourtant, je t'avais fait les découpages de roues. Ouais, en fait, les carrosseries peintes à l'aérographe, je conseille vraiment de les découper avant, de les vernir. Et malgré tout, après, il faut bien mettre du scotch pour protéger les endroits qui vont frotter. J'ai quand même l'impression que la peinture à l'aéro, elle tient quand même moins fort que de la peinture en bombe. Ah bon? Malgré le vernis. Ah ouais, j'en suis sûr. Pourtant, je mets plusieurs couches de vernis. Ouais, parce que la carreau que j'ai fait à la bombe, c'est vrai que la peinture tient bien dessus. Bah, tu regarderas la fin de la rediff du live de ta carreau. Et tu regarderas, mais normalement, j'ai mis 2 couches de vernis. Hein. J'ai peur de foirer, moi. On découpe la roue et puis pour poser aussi la carreau. Là. Bah, là, je te les ai pas fait parce que je savais pas si tu voulais cette découpe-là. Maintenant, si tu veux, je peux le faire avant. Ouais, mais je sais pas de combien faut que je découpe. Faudrait que j'envoie la voiture. Après, quand vous avez peur de foirer, ce que vous faites, c'est que vous coupez genre 5 mm, voire 1 cm plus petit que le diamètre de la roue. Et enfin, peut-être pas autant, 5 mm, ouais. Et tu finis avec une rémelle et un gros disque, un cercle rond là, à poncer, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. Et ça, comme ça, ça t'évite de les mettre. Parce que le problème des coups de ciseaux, comme tu dis, Steph, c'est que tu as souvent tendance à ce qui est la lame au moment où tu tournes, à l'intérieur, elle vient gratter la peinture fortement. Mais si tu mets un scotch renforcé des deux sens... Ah oui, ça c'est une solution. C'est une très bonne solution. Ouais. C'est de mettre un scotch à l'intérieur avant de faire ta découpe. Et comme ça, tu découpes l'arrondi avec le scotch. Voilà. Ouais. C'est une super idée. Quand j'ai fait... Ouais. Parce que quand j'ai fait quand tu m'as donné la carreau, tu sais, il fallait que je fasse les 2 trous pour le capot. Et du coup, j'avais mis du scotch des 2 côtés. Enfin, j'avais oublié de mettre un scotch sur un côté, donc du coup, il y a une petite raflure sur un truc. Mais quand j'ai mis les 2 scotch de chaque côté, c'était bon. Effectivement. Alors, chez Lidl, en ce moment, ils ont des bombes zingles. Ouais. J'en ai acheté une, là, je vais essayer. Ouais, bah essaye pas sur celle que je t'ai faite. Hein. Et là, il va dire. Les roues que j'ai découpées. Trop tard. Comme les vieilles strates, il veut dire les vieilles stratocaster. Ouais. En tout cas, j'ai dû faire une carreau Raptor, mais leur Raptor, il pulvérise trop fort. Ouais, non, Stéphane, si tu dois faire des tests de peinture métal, je sais pas quoi, tu le fais pas sur la belle carreau que t'as payé. Hein. Non, et j'avais une carreau qui était cassée, je l'ai recollée. Ouais. Mais je voulais faire un système Raptor, tu sais, genre Blackson, mais fin. Ouais. Mais ils vendent des bombes chez Lidl, là. Mais la pulvérisation est trop forte, ça fait pas le grain. Ah oui, ok. Et après, tu peux changer le bouchon pour que ça fasse moins fort. Ah non, c'est la pression qui est dans la bombe. Ouais. Je pourrais le faire, oui, si, parce que moi j'ai un pistolet à Blackson. Je pourrais le faire si je casse la bombe. Je vide la bombe dans le pistolet à Blackson, oui. Comme ça, je pourrais régler la puissance. Ah ouais. T'en sors, Tony, là? Ah, il y a des coulées de peinture. Christophe? Christophe? Oh, Christophe, je crois qu'il est endormi. Il est parti, Christophe? Il s'est endormi. Bumblebee? Bumblebee? Moi, j'ai le chien entre les jambes. Ouais. Je suis là. Ah non, mais parce que tu pas. On voit qu'on évite que les gens s'endorment. Ah, mais Christophe, il est plus là. Ouais, il est parti d'un seul coup. Ouais, il est parti, ouais, en fait, ouais. Ouais. Il a dit au revoir. Bah non, mais on n'a peut-être pas entendu. Ouais, et on était en train de parler vélo. J'ai envoyé les images, il regarde sur le Discord et plus de. Plus de Chris qui parle. C'est endormi sur le vélo. Parce que Ben Bikes, il fait des battes de vélo. Il a son téléphone qui a foiré, définitivement. Et Rémi, t'es là? Ouais, je suis toujours là. Ouais, mais Rémi, là, c'est la basse-tringue, garçon. Ah, il est resté devant la porte un moment avant qu'il laisse rentrer, non? Je sais pas. On fait un petit recensement là. Rémi, voilà, il est hier à Romain. Ouais, j'étais sur son live. Ouais. J'étais même sur son Discord. Ouais, mais t'es resté un moment à la porte, hein, parce que moi j'y suis resté un moment et t'étais à la porte. Bon. Ah oui, t'es rentré. Ah ouais, si, ouais, je sais que j'ai attendu un petit moment avant que je rentre. Ouais. Il y en a un qui a dit ouais, Rémi il est dans la salle d'attente. Ouais, bah qui reste. Ouais. Bah ouais, et que la dernière fois j'avais encore le problème du micro. Alors... Et puis avec la télé qui fonctionnait. T'avais signalé que t'avais un beau micro tout neuf. Hein. Ouais, je lui ai dit. Ouais. Ah bah il a vu la différence. Mais la fille de TLR, moi je suis resté jusqu'à minuit au moins. Bah, quand il a arrêté son live, je sais plus quelle heure il était. Mais après, quand il a arrêté son live, il a continué sur le Discord. Il a fait un live Discord. Ah ouais, mais ça faisait déjà plusieurs fois. Moi je suis parti, il était 2h du mat et À mon avis, si je serais encore là, il serait, je sais pas à quelle heure ils sont partis, mais ils ont dû rester longtemps, je pense. Ouais, tout au début, il y a au moins 6 mois de ça, avec Sébastien, on avait fait un live, avec Sébastien Imbert, tout ça, on avait fait un live Discord, on était 5. Mmh. Et un live Discord avec vidéo. Ouais, ouais. Et c'était les tout premiers débuts. Ah ouais. Ah bon, c'est ce qu'il avait fait Romano. Il y avait même Buchor qui était en visio. Buchor. Ouais. Il a continué, vous avez continué la track ça mais... ouais, il a bricolé vite c'est sur son track ça. On les a même fait montrer une partie de la vidéo qui a sorti tout à l'heure d'ailleurs. Hein du Traxas Max. Ah oui, j'ai vu aujourd'hui. T'as montré tes carreaux. Ouais, en fait, Romano, il y avait un problème de contrepoids. Ça, le Max, quand il saute, ben, il est toujours sur le côté droite. Ouais, j'ai vu. Il était en train de rééquilibrer tout ça. J'ai vu qu'il avait équilibré, qu'il avait mis des ouais. Plans. Ouais. Vous parlez de RMT? Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, avant j'étais sur RMT mais j'ai arrêté. Ouais, mais écoute, moi, je dis, ouais, mais chacun apporte quelque chose de différent, c'est ce que je disais l'autre jour. Mm. Puis des fois on va. Venez nous faire la. Et puis, hein des fois on va plaire et puis d'un seul coup on plaît plus. Mmh. C'est pas facile. J'ai manié aujourd'hui la boulette du concours. Ah. C'est quoi la boulette hein de quoi? J'ai manié la boulette du concours. C'est-à-dire la boulette, t'as dit ou la... quoi t'as dit quoi? Ouais, ouais la boulette. J'ai effacé le fichier avec tous ceux qui avaient répondu. Ah merde. Ah merde. Ah, ouais. Ah oui. Ah oui, il avait dit qu'il y en a, ils avaient mis des... Ah oui, ouais. Ah oui, je m'en souviens. Ah, les boules. Du coup, tout le monde va devoir refaire le truc, quoi. Bah, c'est bien, je vais peut-être pouvoir en profiter pour répondre. Et vous avez gagné quoi, aujourd'hui? Ah, X-Max. Bah, c'est son X-Max, là. Oui, c'est juste. Ouais, je laisse tomber, déjà que même les trucs, les RC plus simples, j'arrive pas, alors là... Ouais, pareil. Et là, pour le max, il faut être fort. Hein. Hein, c'est des questions? C'est du tirage au sort? Ouais, c'est une question. Il faut regarder ses anciens lives, et il pose des questions dessus, mais il s'en mêle déjà dans la question à poser, donc au bout d'un moment, tu laisses tomber. Quoi. Faut vraiment... Et puis il y a 2-3 trucs, et encore, c'est pas tout de suite, et ce sera plus tard. Et après, quand au moment du tirage... Bon, après, il fait un tirage au sort. Excuse-moi, il y a la bonne réponse, c'est balèze. Hein. Il y a Sylvain qui te demande si tu es chargé au niveau carreau en ce moment. Combien j'en ai là? J'ai fait un fichier. Une petite dizaine. Petite dizaine. En gros, je vais pas forcément tout faire en live. Je vais rentrer certainement dans une semaine où j'aurai moins de travail perso. Enfin, pour mon boulot. Du coup, je vais peut-être faire certaines carreaux hors live. Pour les carreaux que je fais en live, c'est quand je sais que la personne regarde les lives. Il y a des fois des gens où je les connais pas sur les lives. Du coup, ceux-là, je peux les faire hors live. Je me doute que si, par exemple, quelqu'un qui est dans le live et qui me demande pour faire une carreau, je sais que ça lui fait plaisir de l'avoir comme GB, n'est-ce pas? Ah bah ouais, clairement, c'est clair. J'adore ça, mais bon, après... Ouais, c'est sûr. Bah après, bon... C'est en fonction de ton temps aussi. Hein. Bah voilà, c'est... Le truc de faire en live, c'est que... Ça prend du temps. Que si j'ai trop de carreaux, forcément, je vais en faire hors live. Ou alors tout ce qui est préparatif et tout, je les ferai hors live, et je ferai peut-être que les peintures en live, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, si j'avais su, finalement, je t'aurais pas dit de faire les arabesques, parce que ça te met du temps. Puis c'est vrai que pour ceux qui regardent le live, du coup, ils voient pas la peinture. Du coup, Bah écoute, c'est ton projet, quoi. On accepte, tout le monde accepte le projet de chacun, c'est comme ça. Voilà. On va faire un test du bleu pour voir un petit peu ce qu'il donne, le nouveau bleu. Ah ouais, cool. De la pega. Il a l'air d'être beau, hein, franchement, celui-là. Alors, de l'eau. Il dit plus rien, le chien. Il est entre mes jambes, là, il dort. Mmh. Après, il va hurler, c'est quand on va remonter et que je vais me coucher. Je vais lui faire faire un pipi. Et... je vais refaire un deuxième live. Et là, il va réveiller tout le monde. Sylvain te dit, t'envoie un message demain, Vartel a reçu des 765. Bah, tu peux très bien, si ça t'intéresse, Sylvain, ce qui est possible, c'est tu peux très bien l'acheter chez lui et la faire livrer chez moi. Comme ça, l'avantage... Après, si tu as 2-3 petits produits qui sont pas urgents et que tu voulais commander chez Wartel, tu peux très bien les mettre dans ton colis et je te les ferai suivre, mais il faut juste que ce soit pas du urgent pour toi. Il y a Christophe qui a fait ça, il m'a envoyé une carreau et il avait des huiles d'amortisseur, tu vois. Et il a la carreau, mais il a pas les huiles. Ah putain, elle est vraiment bien métallique cette peinture bleue là. Waouh. Ah bah cool. Ouais, mais c'est pas ta peinture principale. C'est bien, toi tu veux du clair. Donc là, ouais, je te fais une grosse surface pour que tu arrives à bien. Bah sinon, on fait moitié-moitié. Moitié-moitié. Moitié clair et puis moitié comme celui-là. Moite-moite. Ouais, ça pourrait peut-être le faire. Ouais. Tu vas faire au pinceau, Tony? Non, c'est pour le test. Mais là, comme j'ai pas de protection BT, là, forcément, je peux pas faire de l'aéro, sinon je vais passer une plombe. Donc dans ces cas-là, là, c'est du blanc. J'ai fait une première couche. Je ferai une deuxième couche demain matin, puis voilà. Hop. Donc celui-là. Ce que j'ai acheté, moi, c'était une... Alors, on avait dit... En fait, toi, le bleu que tu aimais bien, c'est celui-ci. Mais il n'est pas métal. C'est celui-ci. En tout cas, Tony, pour revenir à la Serpent, le combo Obi-Wing VS Line, il est bien, parce que là, ils en parlaient chez Mumus ce soir. Ah ouais? Justement. Ouais, ouais, il y a des pilotes là sur TLR qui roulent comme ça, quoi. Alors. En buggy. Bah, le foncé, il est beau aussi, hein, le bleu foncé. Hein. Il est beau, bleu... mais c'est pas... il n'est pas clair. On est d'accord? Ouais, il n'est pas clair, par contre. Ouais, ouais. Alors, je vais faire un petit test sur un côté, ici. Qu'est-ce qu'il raconte, Sylvain? Oui, c'est ce que je comptais faire pour une X-Ray hyper VT. C'est quoi ça, une X-Ray hyper VT? Il fait de l'humour, Sylvain. Je mélange ça. Et tu le mélanges pour faire un bleu métal, c'est ça? J'essaie de voir ce que ça donne. Ouais. Non, là, il n'est pas encore clair. Non, il reste foncé, là. Hop. Non. J'essaie avec du blanc. Le problème de faire ça, c'est qu'il n'est pas métal. Bah ouais, ce sera pas métal, ouais. Non. Alors je vais essayer le produit que j'ai acheté là. Ouais, là, c'est ça, ouais, c'est ça que je voulais te demander. Avec le produit. le produit que j'ai acheté. Où est-ce que je l'ai mis? Bumblebee? Oui. T'as Zerté qui a marqué contre le front. Il est là. Alors t'as bien collé ses pneus avec les petits tours de Tony alors. Ouais, ouais, ils sont clairs, c'est bien, franchement. Donc là, c'est une base métallique transparente médium. T'as jamais collé les pneus, Tamiya? Si, si, mais à la One Again. Moi, je l'ai pas tellement collé, au fait. Bah, moi, c'est la première fois que je l'ai collé. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'RTR, alors, tu vois. On a parlé un dixième, on parlait châssis Tamiya, et puis... Ouais, dans quelques châssis, oui, j'ai collé les pneus. Mais des fois, j'achetais les pneus en dixième, tout monté collé, quoi. Ah, Tony, j'ai fini mon châssis indice, là. Ça y est. Oui. Tu vas le rouler quand? Je sais pas, il pleut, là. C'est étanche, TLR. Trop maniaque pour aller sous la pluie. Ah, t'es comme moi. Pas sous la pluie. Tony ? Quoi ? Tu trouves comment ? Chez BT Design les protections de châssis ou bien ? Pour quel châssis ? Parce que t'as fait une vidéo, t'avais ton Awesome X là avec une protection BT Design dessous. Ah non, c'est de l'autocollant. Ou bien stick... non, c'est pas BT Design. Enfin, non, c'est Rusty Design, mais c'est super cher. Rusty Design, voilà. Moi, je l'ai acheté quand c'était le Black Friday, il y a 1 an et demi. Il y a 1 an. Mais... et en plus, pour ce que ça sert, je vous le conseille pas. Moi, je sais pas, je te pose la question, parce que tu l'avais mis. Ouais. J'ai vu une de tes vidéos, tu avais mis ça dessus. Alors. Si tu veux, je t'en fais... En fait, ça revient à faire du covering, hein, tout simplement. Hein. Est-ce que tu arrives à voir? Bah, tu lis dans mes pensées, j'allais te demander. Mais je vois à la télé, mais j'ai pas l'impression que ça brille, sur le... enfin que ça fasse effet métallique. T'as une Samsung GB? Mais... Si, ça fait métallique. Ça fait métallique. Alors c'est pas pailleté, hein, c'est métal, c'est différent de pailleté. Hein. Ah oui. Ouais, en fait, si toi, ton truc, tu voulais des gros grains, et dans ces cas-là, il faut prendre... j'ai certaines peintures comme ça, c'est perlé, perle. Tu vois, peur là. Mais là, ça fait métal. Ouais, bah. Est-ce que ce bleu clair, c'est ce que tu voudrais? Ouais, c'est bien. Bah, moi, ce que je te propose, c'est faire moitié-moitié. Finalement, c'est peut-être pas mal. Tu sais, faire le bleu clair au-dessus et tu sais, jusqu'au dégradé, jusqu'au l'arabesque. Et après, en dessous de l'arabesque, mettre du bleu, le bleu normal. Alors, je sais pas ce que tu en penses. De faire comme ça, ça peut être sympa. Enfin, je sais pas. T'en penses quoi? Et en version dégradée, avec l'aérographe. Ouais. Pas hyper net. En bleu clair, et puis après, passer en bleu foncé sur la moitié du... Tu vois où t'as mis les arabesques? Ouais, ouais, je vois. En dessous, à partir de en dessous de ces arabesques, tu mets en bleu foncé, puis au-dessus de l'arabesque, en bleu clair. Est-ce que tu veux quelque chose de purement uni ou tu voulais genre qu'il y ait des effets à l'aérographe? Ah oui, avec les effets. Bah, je sais pas ce que t'as comme effet. Enfin, je connais les. T'as les nids d'abeilles, c'est ça? Ah non, je parle quand je dis effet, c'est des traces d'aérographe. Là, toi, tu parles de pochoir carrément. Ah oui, d'accord. Bah, je sais quoi, ça fait, ça rend comment les effets? T'as les carrosseries pour que je puisse voir. Ou alors, par exemple, là j'ai des effets, tu vois, sur le orange. Là, tu vois, c'est des traces rouges avec, enfin, c'est des variations entre du foncé et du clair. Donc, ça te fait des traînées, par exemple, tu vois, comme ça. Devant, là, il y a aussi un petit peu de traînées. Et en fait, il y a des variations dans le bleu clair et le bleu foncé. Tu vois. Ah ouais. Je sais pas. Alors, fait qui te... Voilà, c'est pas... Ça m'importe peu, enfin c'est comme tu veux, enfin fais au plus simple, je dirais. Bah disons que j'ai peur que si on fait rien et qu'on fait uni, ouais. J'ai juste peur que ça fasse très simple alors que j'aurais été capable de faire mieux, tu vois. D'accord. Bah, mais non, c'est parce que j'ai peur que dans ta tête, il y a vraiment quelque chose de défini et je voudrais le respecter. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'essaye par mes questions de deviner ce qui se passe dans ta tête, en fait. Ouais. Tu peux mettre un petit effet, ouais, pour que... Après, j'ai du mal, j'ai du mal à visualiser, tu sais, je ne saurais pas dire, parce que c'est plus toi qui sauras là-dessus quel effet faire, en fait, pour que ça rende... Bah, moi, ce que je ferais... Ah, Tony, t'as un conseil pour ton chien par flûte. Alors, c'est quoi flûte? Non, sérieusement, il y a un truc pour les jeunes chiens qui pleurent la nuit, c'est de mettre un réveil qui fait tic-tac dans le panier où il dort. Ça lui rappelle les battements de cœur de sa mère. Ah, d'accord. J'ai pas grand-chose qui fait tic-tac. L'horloge, on a une horloge dans le salon, mais elle fait 1 mètre de hauteur. Tu déplaces ton horloge. C'est les horloges type magasin de déco, là, Ikea ou autre. Elles sont grandes et voilà. T'as pas une Rolex ou quelque chose comme ça ? En fait, lui, ce qu'il veut, c'est être avec quelqu'un. Tu vois, là, il est heureux parce qu'il est à mes pieds. T'as pas une Rolex, Tony ? Bah non, j'ai qu'un iPhone. Mon réveil, c'est un iPhone 3. Non, mais c'est vrai. Hein. Mon réveil, c'est un iPhone 3. Ouais. C'est bien comme réveil. Ouais. C'est un réveil high-tech. Hein. Et tu vois, l'obsolescence programmée, c'est que j'ai dû le condamner en réveil, puisque en fait, je ne peux plus installer aucune appli, puisque je ne peux plus mettre à jour le système, parce qu'Apple a empêché la mise à jour du système iOS. Ouais. Après, ouais, pour des bonnes raisons, et l'iPhone 3, c'est presque la date de notre naissance. L'iPhone 3 n'est pas si vieux que ça. Hein. Après ça, j'ai acheté un iPhone 4 et puis 2007, un 4S. Vous avez l'iPhone 3GS, le S là, ou le 3 Je crois que c'est un 3. Ah, je sais plus parce que j'ai dû avoir les deux. Et ouais. Je sais plus si celui qui est là à côté de mon lit, mais en fait, il est à côté de mon lit. Il est connecté au chargeur en permanence, mais la batterie, elle me permet de... Vu que j'utilise pas le Wi-Fi, elle me permet de tenir 1 semaine, tu vois. Ah ouais. Ouais, Tony, essaie de mettre un jour un Samsung de 2007. Je sais pas, j'en ai pas parce que bah, à l'époque, j'ai eu, je te dis, avant, j'étais un pro Apple. Voilà. Bah oui, mais c'est pas... T'as mal tourné. Non. J'ai commencé à changer quand j'ai vu que les prix d'Apple devenaient de plus en plus hauts et quand je voyais que je pouvais plus mettre à jour. Je voulais filer le téléphone à ma femme et je pouvais pas lui mettre à jour. Elle me dit tiens, tu peux m'installer Spotify. Je suis désolé, je peux pas te mettre Spotify parce que je peux pas mettre à jour iOS et Spotify ils veulent qu'on ait la dernière version d'iOS. Et les seuls moyens de faire c'était de jailbreaker. Les jailbreaker, bah, franchement, c'est la prise de tête. Alors ça me faisait chier. Ah, c'est l'arnaque. Hein. Ouais, mais tu sais, dans les autres téléphones, c'est pareil. Hein, parce que dans... j'ai le LG là. Ouais, et bah, c'est Android. Et j'ai remarqué un truc c'est quand je suis passé, alors je sais plus si c'est le 9 ou 10, où j'ai fait la mise à jour, ça allait. Et après, ils ont mis un patch de sécurité. Et à partir de là, ma batterie, elle a fondu. Elle est tombée. Du coup, bah, je suis toujours obligé de le charger, le téléphone. Ça, je suis sûr que c'est fait exprès. Mais après, tu as les ressources hein, qui changent. Hein. Je veux dire, tu prends un PC ou un Mac de 2007 avec un Mac ou un PC de 2021, c'est quand même un jour et la nuit. Hein. Ah ouais. Bah, sur les PC, je peux comprendre, mais sur les portables... Oui, mais il y a quand même un processeur, il y a quand même des applications qui deviennent gourmandes, tu peux mettre bientôt tous les jeux sur ton portable. Ouais, ça dépend de ton besoin, c'est tout. Ouais. Ouais, mais bon. Non, mon PC, il a 10 ans, j'ai jamais changé. Hein? Mon PC, il a 10 ans, j'ai rien changé dessus. Ouais, mais bon, c'est pour ça que ça traîne pour mettre dans le panier, hein, mais... Un PC qui a 10 ans, moi j'ai un Mac qui a 10 ans aussi, il va très bien. Pas le mien, c'est de mon épouse. Mais... à l'époque, quand je l'ai fait, il m'a coûté cher. Oui, mais il était passé, quand même. Ah bah oui, mais... T'as toutes les dernières versions de Windows et tout? Non, j'ai Windows 7, moi. Bah non. Qu'est-ce qu'il va m'apporter le Windows 10? Il m'apporte rien du tout en plus. Oui, mais c'est comme un Mac. Tu peux... Moi, sur mon épouse, au bout d'un moment, je pouvais plus le mettre à jour puis aller sur l'ancienne, la version qui reste, mais il y a des applications qui fonctionnent plus, par contre, ça c'est vrai. Par contre, mon PC, il rame pas du tout. Hein. Non, mais tu peux pas tout faire fonctionner. Bah après, ça dépend ce que tu mets hein, sur ton PC. Bah ouais, ça dépend ce que tu fais avec. Hein. Non, mais le jeu, il tourne très bien. Hein. Ouais, mais tu joues à quoi? Counter-Strike des années 50? Non, Battlefield, des jeux gourmands quand même. Ouais, mais en 640 par 480. Non. Non, mais je sais pas, Bumblebee, ça évolue tellement vite, t'es d'accord? Oui, ça évolue, mais après, si tu veux suivre la techno, tu peux changer tous les mois si tu veux. Hein. Oui, 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 non, mais je parle mais pas. Tu verras pas la différence. Hein. Parce si tu achètes, si achètes un ordi pour faire des... Je sais pas, tu fais du montage vidéo 4K, mais je pense que t'oublies, hein, tiens. Ouais, mais déjà, j'ai pas l'écran qui fait 4K, donc ça me sert à rien. Non, mais je donne un exemple. Hein, oui, mais moi, mon iMac, c'est un 5K. Quoi? Tamiya, il dit, oui, mais moi, mon iMac, c'est un écran 5K. Oui, c'est un écran 5K. Après, voilà, mais c'est vrai. Mais ça après... En fait, à l'époque, quand j'ai fait mon ordi, il était déjà surdimensionné par rapport aux besoins, ce qui fait que dans le temps, il a tenu. C'est ce que je te dis, mais après, tu es quand même limité. Il n'y a pas qu'Apple qui limite ses applications, c'est ça que je veux dire. Ah bah oui. Il y avait des autocollants pour les vitres? Ouais, ils ont mis un... Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis un... Mais il y a, tu sais, dans le... Quand je t'ai passé le... la carreau, il y avait les stickers et protection, j'ai l'impression, pour les vitres. Bah tu vois, moi, Bumblebee, moi, je fais plus de jeux sur mes sacs plastiques, Tony. Ouais, je sais pas où je l'ai mis, il faut que je cherche. Ah bah tu peux durer longtemps comme ça alors. Hein. Ouais, mais je joue sur console. Ah bah l'ordi il est toujours allumé. Hein. Non mais je veux dire, moi j'ai mon iMac, finalement je fais pas grand chose avec, à part YouTube. Non, Apple, je trouve ça cher juste pour aller sur internet et faire du surf. Non, mais d'accord. Mais... moi j'utilise Linux. Ah, c'est cher, mais ça tient. Franchement, ça tient bien. Bon, après, voilà. Apple, c'est super pour le son, par contre, pour la musique aussi, c'est top. C'est ce qu'ils font mieux. Après, si je dis pas, c'est joli, hein, c'est tout. Hein. Après. Ouais, mais la qualité, elle est au rendez-vous. Bah, je sais que pour la musique, justement, les musiciens, tu sais, c'est juste pour aller sur Internet ou pour regarder des vidéos. Ça, non, mais je donne un exemple. Mais... là, je fais plus de choses avec. Mais c'est des exemples, je fais pas du photomontage. J'ai pas non plus l'iMac à 7000 balles. Hein. J'ai l'entrée de gamme. Après, je me dis, ça dépend combien de temps tu le gardes, c'est ça. D'ailleurs, je préfère mettre le prix, mais si tu le gardes pendant longtemps. Bah écoute, moi j'ai acheté beaucoup de PC portables, des Asus, des machins comme ça, même HP. Ils duraient 2-3 ans, mais après c'était la galère. Quoi. Oh, mais les PC portables, c'est pas fait pour le jeu, c'est pas. Non, mais pas pour le jeu en général. Ils ramaient sous Windows, c'était. Puis ma femme, elle en avait marre. En fait, quand tu achètes un PC tout fait, tu as forcément des composants qui sont un peu faiblards, c'est comme ça qu'ils font leur marche. Donc, même si tu as ils te vendent un bon processeur, tu as peut-être ça pêche au niveau de la mémoire ou du disque dur. Ouais. Mais bon. PC, je le fais moi-même, je le monte moi-même. Et... oui, oui, non, mais moi j'en ai monté des PC pour le game à l'époque, il y a 10-15 ans, 10 ans en arrière. J'ai mis des cartes en slide, enfin, tu vois, j'ai fait du bricolage. Ouais, c'était sympa. Mais après j'ai acheté des PC portables et puis voilà. Et ma femme elle bosse avec, elle avait des portables, puis tous les 2-3 ans elle en avait marre parce que ça ramait, puis elle a son Mac depuis 11 ans portable, maintenant ben, elle veut plus changer quoi. Après elle fait des choses simples aussi, elle fait de la compta, elle fait des trucs comme ça. Ouais. Bah là j'ai voulu changer de PC, j'ai pas pu. Pourquoi? La rupture de stock chez AMD. Ah, chez AMD, tu prends les AMD, toi, ouais, ils sont bien. Non, 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 en fait, je prends... là, j'ai un Intel, mais ça dépend les périodes, mais on prend s'il a 10 ans. Ouais, mais je dis pas, je pense que ça tourne toujours bien. Ça. Là, ils étaient en rupture de stock, ils ont sorti un nouveau modèle et au bout de 2 jours, ils n'avaient plus de stock. GB, comme il y a des problèmes d'approvisionnement avec la Chine. T'as dit que je devais te découper les roues ou pas? Attends. Hein? T'as dit que je te découpais les roues ou c'est toi qui le fais? Bah, c'est que en fait, je sais pas pour la. Parce que le truc, c'est que si tu découpes les roues, je sais pas la distance et le. Ouais, donc tu feras ta méthode là, tu mettras du scotch. Et... Ouais, je ferai un méthode. GB, t'as un ciseau Lexan là arrondé ou pas? Non. Ah, il te faut un petit ciseau Lexan. Ouais. En plus, elle a l'air bien épaisse, ouais. Tu vas en baver. Hein. Il faut un petit ciseau courbé. Un ciseau courbé? Ouais. Tu t'achètes ça. Ouais, truc modélisme ou. Ah ouais. Ah, ce modèle là. Ouais. Comme ça. Voilà, un petit ciseau courbé. Ouais, j'en ai pris un, ça va super bien. Puis ça te donne vraiment plus de force. Parce que là, si tu as tel carreau, au niveau des roues, elle est bien épaisse la tienne. Là. Tu vas en baver. C'est quoi la marque? Dans tous les magasins de modélisme, tu vas en trouver. À la base, c'était Tamiya qui faisait ça. Et puis après, franchement, dans tout magasin de modélisme, tu tapes ciseaux Lexan courbé, tu vas trouver. Ok. Bon, bah, je vais prendre ça. Okay. Bon, il faut que j'aille vider mes paniers, moi, parce que je me fais spammer. Voilà, c'est bon signe déjà si la carreau elle est épaisse, Tony. Ouais. Elle est épaisse, ouais. Je reçois des mails pour un team assaut, faut que je l'enlève. Tu le reçois quand c'était masseau. Et du coup, Tony, c'est quoi les trucs de vide? C'est pour protéger pour la peinture, c'est ça? Ouais, mais du coup, il faut que je les mette, hein, parce que si je vais pas peindre les vitres pleines non plus. Hein. Si je l'enlève pas, il va finir chez moi. T'as commandé, non? Non. Bonne nuit Bruno. Parfois on dit tous bonne nuit, peut-être il va pas oublier. Et du coup, Tony, tu t'en penses quoi du bleu clair en haut et après bleu foncé, enfin bleu normal Tu crois que c'est une bonne idée ou... Il a pas entendu. Si, je réfléchis à fond là. Ah ok. T'as vu, il y a de la fumée derrière. Ça se voit pas, on voit pas sa tête. Ah mais c'est pas si t'as pas un écran 4K dans le B. Tu vois pas sa tête. Tu sais, on parle de super résolution, ouais j'ai un truc machin, et maintenant les photographes, les appareils, ils ressortent tellement les défauts sur les photos qu'ils sont obligés de les corriger. Ou alors que les protections en bleu foncé. Non mais demande à Tony, tu verras. Tu veux dire les ailes? Ouais, les ailes. Non mais il y a peu de 4K de toute façon, même en diffusion. En gros, moi ce que je ferais, c'est pas des ailes forcément avec un contour net, mais vraiment les ailes à l'avant. Foncées, les ailes foncées. Ouais. Ça descend. Mais de manière assez aérienne, assez floue, sur le bas de caisse latéral, le marchepied, et ça remonte sur l'aile arrière, tu vois. D'accord. Ouais. Et je pense que ça pourrait faire sympa. Une bonne idée. Ah oui, ouais. Voilà. Et tout le dessus, Ouais, c'est pas bête ça, ouais. Ouais. Et le dessus, ouais, soit tout de la même couleur, donc ça va te faire beaucoup de bleu clair, hein, mais d'accord? Ouais. Et tu me disais aussi que tu voulais mettre un peu de noir sinon aussi? Non, à la base, moi je voulais. Moi, ça aurait été Macaro, j'aurais fait les arabesques en noir. Rémi? Après, il y a une autre solution, c'est de faire genre... C'est bon, c'est un test. Ah. C'est de faire, par exemple, la toiture dans une couleur bleu foncé, tu vois. Ben là, ça complique un peu, mais c'est une autre solution, encore, tu vois. Attends, j'ai pas entendu. En fait, c'est d'avoir ce que je t'ai dit au niveau du capot et de l'arrière, et sur les côtés, mais le dessus, la capote, c'est de l'avoir en bleu foncé. D'accord. Ah bah peut-être alors. Ouais, comme ça, ça fera un... Ça fera un peu plus varié, t'auras du bleu foncé, du bleu clair. Ça va casser le capot arrière. Proportionné. Ouais, parce que le capot arrière, il va déjà être très très grand, tout bleu clair. Et ça permettra d'avoir une calotte bleu foncé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ouais, et du coup, ouais, ça va donner... Ça pourrait faire sympa. Ouais. Ça te va? Ouais, ouais, ouais. On fait comme ça. On fait comme ça. Et je pensais juste, qu'est-ce que t'en penses, tout en bas, de mettre un peu de noir pour faire un peu genre... tu sais, un petit peu, juste un tout petit peu de noir, un peu... Le bas de caisse, quoi, vers le bas. Ouais, bas de caisse. Ah bah du coup je fais pas ce que j'ai dit alors. Ouais mais on pourra plus faire le dégradé. Non, on fait comme t'as dit là, c'est très bien. C'est parfait. Comme on reste sur l'idée là, c'est bien. Bah, le fait qu'il va être le bas de caisse en bleu foncé, déjà ça va l'assombrir, tu vois. Ouais, ça va l'assombrir, ouais, ouais. On va très bien comme ça. Comme il n'y a pas de noir autre que la guitare, ouais, je sais pas. Non mais on reste comme ça pour l'instant, puis non, c'est bien. C'est le bon compromis. Il disait quoi, Bumblebee, avec les appareils de photo? Je sais plus. Hein? Je ne sais plus. Tu me parlais de la... que les photographes, les... je sais pas quoi, puis il fallait que je demande à Tony. Ah oui, la résolution est tellement importante que ça te ressort les défauts en fait. Plus les défauts, tu passes du temps à corriger en fait. Exactement. Ah. Ça te fait ressortir les défauts de la peau, des choses comme ça, ce qui fait que tu, maintenant, tu passes du temps à corriger les imperfections. Et en plus, ça sert à rien de les corriger parce que après tu vas exporter dans ton fichier JPEG. En finale, dans une résolution inférieure, qui fait qu'on verra pas ces petits défauts. Et regarde les tutos, tu verras les mecs qui passent du temps à... Enfin, c'est vraiment... En fait, ça... la photo elle ne représente même pas ce que tu vois. C'est... Non, non, c'est bien compliqué. Dis, vraiment, comme après, on exporte dans une qualité moindre, bah, parce que par exemple, des fois, la finalité, c'est de montrer sur Internet. Donc, oui. Voilà. Mais, ouais. C'est pour ça que moi, une image, tu vois, les super télé où tu as du 4K, du 5K, en fait, c'est même plus réel, c'est pas ce que tu vois, c'est limite par les photos, elles vont plus haut que du 5K. Bah après, c'est toi qui choisis la résolution, mais... C'est intéressant, 4K, 5K, si tu fais des photos, si tu veux faire des posters, des grandes photos. Ah, ça dépend de la taille d'impression, effectivement. Ouais. Et tu vois, moi, les images, les vidéos, tout ça, parce que, les trucs de présentation en 4K, tout ça, la nature et tout, moi, je trouve ça, c'est pas réel, en fait. Ça fait trop travailler. Là, c'est pas ce que tu vois, en fait, en gros, ça n'existe pas, ce que tu vois à la télé en 4K. Ouais. C'est pas réel, si tu veux. C'est comme si tu avais des images de synthèse, c'est pareil. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, perso, je trouve pas ça beau, mais après... Bah du coup ça fait pas réaliste au final. C'est ça, tu regardes une chenille sur une télé en 4K par exemple, tu vois une vraie chenille, bah limite tu la reconnais pas quoi. Ouais mais bon ces vidéos 4K elles sont super contrastées puis super dénaturées aussi. Les vidéos oui, non, mais oui ce que je veux dire c'est que ça te représente pas, moi c'est pas... Ça fait pas vrai, enfin naturel. Moi je suis en 4K, ça fait pas la même chose. Après, les télés ils sont super chères aussi. Oh, ça va, maintenant c'est pas cher une telle. Bonne nuit Stéphane. Ouais, il y a tout le CV, toi. Qu'est-ce que t'appelles cher pour un Suisse? Parce que tout est relatif. Hein. Je sais pas, une TV, je sais pas. T'as déjà des bonnes TV à partir, je pense, de 1000 euros, quoi. À partir de. Autour, je sais pas, entre 800 et 1200, quoi, voilà, je sais pas. Putain, je galère. Tu trouves des choses correctes, disons. Non? Ça dépend aussi de la taille de la télé. De l'écran, ouais. Ouais, ça dépend de la dalle aussi. Bah, franchement, des OLED LG, chez nous, en 55 pouces, hein, tu les trouves à 900 francs suisses, ça fait 850 euros, quoi. Bon, messieurs, j'ai un coup de barre, je vais aller me coucher. D'accord. Surtout que là, j'ai les fenêtres à coller et les autocollants sont merdiques et je vais galérer grave. Ah. Ouais. Bonne nuit avec le chien, Anthony. Hein. T'es pas obligé de prendre ces autocollants-là, hein, tu fais... Ouais, non, mais c'est comme c'est pas du liquide masse, du coup, bah, c'est tout, je vais devoir faire avec. Donc, je vais plutôt le faire quand je serai mieux réveillé demain. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, c'était super. En tout cas, je risque d'avancer un petit peu la caro hors live. Et puis, bah, ouais, je la finirai demain, si je peux, demain en fin de journée. Voilà. Ouais, salut Tony. Okay. Okay, salut, bah, Tony. Merci à vous tous, et merci à GB d'être venu pour sa caro. Bah oui, merci GB, ça fait. Hein, jamais entendu. Ça fait tout plaisir pour moi. Bah ouais, bah écoute. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Hein? Personne. Dans le chat, il n'y a plus personne. Et il y a Phil. Bonne nuit, Phil. Bonne nuit à tous. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde dans le chat. Ciao. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, Tony. Salut, Tamiya. Salut, Bumble. Ciao, salut Rémi, salut Steph, salut Tamiya, salut à tous. Au revoir tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Tony. Bonne nuit, Steph. Salut. Bonne nuit, merci encore. Bah, de rien, à bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit, Electron. Merci, Electron.